Et comment on fait pour...
Bien. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir cet après-midi dans l'hémicycle du conseil départemental. Alors, alors il y a plein de monde. Hein, je vais saluer très rapidement tout le monde. Il y a les vice-présidents du département. Il y a vice-président de Grenoble-Alpes-Métropole qui doit être avec nous. Je crois que je ne l'ai pas vu, mais il va peut-être nous rejoindre. Il y a des élus. Je vais bien sûr remercier Thierry Lebel qui va vous faire cette conférence cet après-midi en le remerciant d'être parmi nous aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses à nous dire et des choses très intéressantes. De saluer les enseignants, les principaux qui sont avec nous, les chefs de service, directeurs adjoints du département. Saluer aussi Colin Lebeau, qui représente le SDIS de l'Isère, et puis tous les présidents, salariés ou autres des associations bénévoles qui sont avec nous du monde associatif cet après-midi. Et puis surtout, vous saluez, vous, collégiens et lycéens, puisqu'il y a des lycéens aussi qui sont avec nous cet après-midi, pour votre participation. Alors, on a le collège Les Pierres Plante de Montalieu. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Le collège Raymond Guélen de Pont-en-Royan et la cité de l'Édit de Roussillon. Donc, bienvenue au département pour parler du changement climatique, alors en Isère, mais on va aller du global au local parce que c'est bien ce qui nous intéresse. Alors Thierry Lebel, merci d'être avec nous. C'est le directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement au sein de l'Institut Géosciences et de l'Environnement. Il prend part depuis de nombreuses années aux travaux sur l'énergie et sur le climat. Et on a vraiment une grande chance cet après-midi de l'avoir à nos côtés pour évoquer ces thématiques. Moi, je suis heureux de voir que bien dans l'hémicycle, vous êtes nombreux et jeunes face à ce défi hein, qui concerne bien évidemment le département de l'Isère, notre pays, mais aussi plus largement le monde. Le changement climatique aujourd'hui, plus personne ne peut le remettre en cause. Les choses sont malheureusement lancées et les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines sont un réel problème et il faut que l'on essaye de trouver des solutions, même si on peut penser que la France, ne représentant qu'un pour cent de ses émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, je vous laisse imaginer ce que peut représenter l'Isère, mais c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grands fleuves et il faut que chacune et chacun, eh bien, nous préoccupions de ce sujet. Alors, quels objectifs avons-nous au département? Alors, c'est des objectifs qui peuvent apparaître assez modestes, mais je veux remercier Annick Merle, la vice-présidente en charge de cette thématique, de mettre tout en œuvre pour que nous puissions les respecter, puisque sur trois ans, jusqu'en 2020, nous avons pris l'engagement de réduire nos émissions à gaz à effet de serre de hauteur de 4%. On me dirait 4%, c'est peu de choses, mais enfin 4%, c'est un minimum et 4%, c'est en 3 ans. Alors, plutôt que d'annoncer des chiffres beaucoup plus conséquents sur 20 ou 30 ans, bah moi, je préfère annoncer des chiffres plus modestes, tenables, sur 3 ou 4 ans. Et au moins, dans 3 ou 4 ans, on verra ce qu'on a fait réellement. Alors, on le fait de différentes manières. Et je crois que les collégiens qui sont ici le savent bien. Déjà, on lutte contre le gaspillage de nourriture dans les collèges. Parce que moins on produira de nourriture, eh bien moins on produira de CO2. Et c'est ce qui est fait dans les collèges avec un grand succès. Et puis aussi pour nos bâtiments départementaux, et celui-là en est un bel exemple. Hein, c'est une véritable passoire thermique. Il fait froid l'hiver dedans et chaud l'été. Donc il n'y a aucune isolation. Et il faut qu'on y remédie. C'est 8 à 9 millions d'euros de travaux que nous allons lancer dans les années à venir, parce que c'est important de le faire, mais aussi dans toutes nos propriétés, puisque le département, vous le savez, a de nombreuses propriétés, par exemple les musées départementaux ou encore nos maisons du département. Et puis après, le département, c'est 4600 km de route,
Donc là aussi, nous avons, dans l'entretien de ces routes, des progrès à faire, hein, et Bernard Perrazio est très moteur sur le sujet, dans leur entretien et aussi dans la manière de les utiliser. Pour nos 4600 agents du département, on explore plusieurs pistes et on les met en œuvre au-delà de les explorer. La première, c'est de moderniser, bien sûr, la flotte de véhicules du département en passant à des véhicules électriques ou véhicules hydrogène, parce que l'électrique a toujours cette difficulté de l'autonomie. Et quand on gère des routes départementales et que les agents font 300 ou 400 km parfois dans la même journée, il faut que le véhicule puisse suivre. On incite aussi nos agents à faire du télétravail sur site. C'est-à-dire, comme le département est très vaste, on a mis en place des salles téléconférence, de visioconférence à distance. Donc ça permet aussi très nettement de diminuer les émissions. Et puis, pour les élus, utiliser la visioconférence, c'est ce que nous avons fait aussi sur certaines commissions. Voilà ce que nous faisons. Je suis quelqu'un qui suis pragmatique. Ne pas nier l'évidence, c'est une évidence. Faire des choses concrètes qui nous permettent d'avancer et surtout les mesurer à un court terme pour engager les choses sur le plus long terme, je crois que c'est essentiel. Mais ce qui est surtout essentiel, et ça c'est notre démarche depuis 3 ans, il faut absolument que l'environnement, d'une manière générale, si on déborde le sujet du gaz à effet de serre, soit réellement pris en compte par l'ensemble de nos concitoyens et que l'environnement ne reste pas la préoccupation d'une minorité. C'est pourquoi on a repris en gestion interne l'ensemble de nos espaces naturels sensibles, que nous ouvrons au public, et surtout nous travaillons en lien et nous incitons tous les élus locaux à s'investir dans ces politiques de développement durable, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à toucher la plus grande partie de la population, parce qu'il faut, et demain, vous qui êtes jeunes, vous serez ces ambassadeurs, il faut que la plus grande partie de la population prenne conscience qu'il est nécessaire d'agir pour notre environnement. Alors je remercie Cathy Simon, qui est la vice-présidente au collège et qui est en lien avec vous, qui a organisé cette journée. On a le pass isérois citoyen, du collégien citoyen. Tout ceci participe à la construction de notre société. Il y a parmi vous des gens qui étaient à la COP 23, donc qui êtes sûrement bien plus au fait que moi de ces sujets. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, politiques, au sens très large du terme, nous avons ce souci du réchauffement du gaz à effet de serre, nous avons ce souci de l'environnement, mais que nous inscrivons forcément dans un cadre qui est celui du développement durable. Et le développement durable, il a 3 piliers. Il y a l'environnement, il y a l'économique et le social. Et je le dis aussi parce que je suis en face de vous qui êtes jeunes, il me semble compliqué de faire peser sur les épaules d'une seule génération toutes les erreurs de plusieurs générations avant vous. Donc il faut qu'on organise cette transition, il faut faire des choses, mais il faut faire des choses pour que votre génération aussi puisse vivre de manière économique et de manière sociale dans des conditions correctes. Donc en fait, le but du politique, c'est ça, c'est d'organiser cette transition à un rythme qui reste à discuter, et là, on est sur un champ qui est différent. Certains trouvent qu'on va trop vite, certains trouvent qu'on ne va pas assez vite. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre ces 3 piliers du développement durable, parce que, pour moi, c'est quelque chose qui est et qui reste essentiel. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire en introduction à cette conférence. Et sans plus attendre, je passe la parole à Annick Merle. À mon tour, Président, de vous remercier pour la confiance que vous avez bien voulu m'accorder en me confiant le pilotage du plan d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre du département. Vous venez de rappeler les 6 axes majeurs que nous avons retenus dans ce plan qui a été voté tout dernièrement. Je voudrais juste vous dire que pour moi, j'ai l'intime conviction que ce plan ne peut marcher que s'il est effectivement le résultat d'un travail complètement transversal et en collaboration complète entre les élus d'une part et les agents d'autre part. Sachez qu'on a déjà très largement commencé, que ce soit avec les élus, preuve en est aujourd'hui avec les participations de Martine Colli et Cathy Simon, ou avec les collaborateurs des différents services.
Je pense qu'une des premières choses qu'il faut avoir à l'esprit, et au-delà des axes que vous avez rappelés, un axe important dans lequel enfin, on va essayer d'embarquer, c'est celui surtout du changement de comportement de tous. Je pense que c'est vraiment par là qu'on va commencer dans ce plan d'action. Rappeler clairement que l'esprit du premier rendez-vous, c'est bien à la fois sensibiliser et faire savoir que le département, et vous l'avez largement expliqué et redéfini, s'implique dans la lutte contre les changements climatiques. M'adresser plus particulièrement à vous, collégiens et lycéens et étudiants présents dans cette salle, en vous disant tout simplement que le département compte sur sa jeunesse en tant que relais et vous remercier par avance. Et puis, avant de laisser la parole à notre intervenant, donc Thierry Lebel, que je remercie également pour avoir accepté simplement de venir partager ses connaissances avec nous et surtout nous les faire partager, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui dans le cadre de l'animation de cet après-midi, c'est trois questions quiz. On va commencer avec la première. Donc, il faut que vous munissiez de la zapette. Vous n'avez pas pris, ou hein. Nous, on n'en a pas, heureusement. Donc, il y aura trois questions, comme je vous le disais. Chaque fois qu'il y aura une question, vous aurez trois solutions qui vous seront proposées. Il est évident que l'objectif, ce n'est pas de vérifier si chacun sait bien et a bien répondu juste. L'objectif est plutôt que vous repartiez avec les bonnes réponses et que vous ayez appris quelque chose en sortant d'ici. Voilà, alors la première question, donc, et puis ici, une petite consigne, il ne faudra pas oublier de rendre la zapette en sortant et de signer. Ça ne marche pas. Je l'ai tout bien dit. Hein. Alors, la première question, combien d'euros le département de l'Isère a-t-il versé pour la déconstruction de l'ancienne route sous les ruines de Séchilienne pour ne pas la laisser à l'abandon ? Il y a un temps limité, hein. Est-ce que ça a marché, moi ? Je sais pas. C'est que les gens de la salle qui votent, les gens à distance. Je sais pas. Est-ce que ça marche ? Apparemment, ouais. Ouais, regarde. Quand ça change de couleur, c'est que j'en vote. Hein ? Bah, vous, c'est bon, en clos ? Alors ? C'est bon ? On clôt le vote, ça y est, c'est bon, tout le monde a répondu. Allez, on clôt le vote. Je vous laisse faire les commentaires. Là. 51% donc ont répondu 150 800 euros, c'est ça ? 44% 283 500 et 4% 1 euro. Et la réponse est 1 euro. Alors, quelques précisions pour cette réponse. Hein. En fait, la déconstruction de la route sous les ruines de Séchilienne est en cours d'achèvement. Les matériaux récupérés ont été triés pour être réutilisés par des entreprises iséroises, ce qui explique ce coût symbolique de 1 euro pour le département. Et à ce titre-là, c'est une première à cette échelle. Des efforts particuliers sont nécessaires pour les méthodes et matériaux d'entretien des routes, ce qui permet de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau et on peut démarrer comme ça. Voilà. Mais écoutez, Monsieur Lebel, je suis ravie de pouvoir vous laisser la parole maintenant. Merci. J'ai le droit à une zapette ? Ah non, c'est pas. D'accord. Merci. Bonjour à tous. Donc, merci, monsieur le président. Merci, madame la vice-présidente, pour cette invitation. Bon, c'est un petit peu difficile. J'ai un public très varié dans cette salle. Certains nombres d'entre vous qui n'ont probablement pas encore vu le minimum de lois physiques que je vais évoquer pour parler un peu du climat, d'autres qui les ont vus il y a bien longtemps et qui les ont certainement oubliés. Voilà, donc j'ai tâché d'être un peu pédagogique. Hein. C'est un sujet compliqué du global au local. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une 20 à 25 diapositives. Je pourrais parler une demi-heure sur chacune d'entre elles. J'ai le droit à une demi-heure au total. Donc voilà, il faudra que je sois un minimum efficace, mais voilà. Oui, non, je prendrai le temps, mais de toute façon. Et donc, on va parler climat, comme le disait le président Barbier. Je crois qu'aussi, il faut bien avoir en tête qu'on
peut pas parler de tout en une après-midi, mais bien entendu, derrière le climat, il y a les questions environnementales au sens large. Et je pense que ce soit dans le monde académique ou après dans le monde de la décision publique, les deux sujets sont intimement liés. L'autre chose, oui, je voudrais mentionner, alors, il y a, je disais, ma raison sociale, ce qui est important que vous sachiez, aussi bien vous qui êtes collégiens, pas encore à l'université, que nos interlocuteurs dans le monde des collectivités territoriales, c'est qu'à Grenoble, il y a une communauté académique assez forte sur la dimension climatique. Bien entendu, la collectivité académique la plus importante est à Paris, mais il y a deux grands centres de recherche sur le climat en France, en dehors de Paris, qui sont Toulouse et Grenoble. Donc c'est un bon endroit pour évoquer ces sujets-là, et c'est un bon endroit éventuellement pour les étudier. J'ai divisé ma présentation un peu en quatre parties. On va essayer très rapidement d'évoquer ce que c'est que le climat. Ça peut vous paraître trivial, mais je pense que c'est pas inutile. Je parlerai ensuite de l'évolution du climat à l'échelle globale. Je ferai une déclinaison locale. Et puis, j'essaierai d'introduire un peu la notion d'espace de réflexion socio-économique qui me semble être très étroitement liée à ces problèmes de climat et d'environnement. Alors, première chose, peut-être un petit peu philosophique, mais en fait, le climat, intrinsèquement, c'est l'expression locale d'un système qui est global. C'est-à-dire que pour chacun d'entre vous, ce que vous percevez du climat, c'est des paramètres très sensibles. C'est la température, la précipitation, l'ensoleillement, éventuellement le vent. Et en fait, cette perception, c'est à l'endroit où vous êtes à un instant T. Éventuellement, vous en avez peut-être une vision un peu intégrée dans l'année, si vous habitez plutôt en altitude, plutôt en plaine, il fait plus ou moins froid. Mais ça, c'est l'expression d'un système qui est global, c'est-à-dire que le climat de la planète, il est géré par des mouvements de l'atmosphère qui sont eux-mêmes pilotés par une source d'énergie centrale qui est le soleil. Donc dès qu'on va parler de climat, en fait, c'est presque un pléonasme de parler du global au local, parce qu'on est sans arrêt dans un aller-retour entre ces deux échelles. Par ailleurs, il se trouve que vous savez que le climat a varié aussi à des échelles très importantes. Donc, formellement, on essaye d'avoir des références. Et donc, à l'Organisation météorologique mondiale en particulier, on définit souvent le climat comme une moyenne d'un certain nombre de paramètres météorologiques sur 30 ans. C'est assez formel comme décision. On pourrait discuter d'ailleurs de savoir pourquoi 30 ans. Mais c'est quand même important parce que si vous êtes amené à lire de la littérature sur le sujet, vous verrez souvent que quand on va parler de dérive des paramètres climatiques, il faut bien qu'on se fixe à une référence, et c'est important, c'est pas toujours précisé d'ailleurs, mais c'est important de savoir quelle est cette référence de 30 ans qu'on utilise. Très souvent, aujourd'hui, dans les travaux, on prend la période 61-90. Alors, une première initiation à ce qu'est le climat, je dirais sa perception et sa réalité. La première chose qu'il faut savoir, c'est que s'il y a un climat sur la Terre, c'est en grande partie parce que la Terre tourne autour du Soleil. Je le précise, entre parenthèses, c'est vrai. J'espère que vous n'avez pas trop d'incertitudes sur le sujet. Et donc, elle tourne autour du Soleil, mais elle est inclinée sur son orbite. Et c'est pour ça qu'il y a des saisons. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas le même climat selon qu'on est au pôle sud ou au pôle nord, ou à l'équateur, ou sous les latitudes moyennes. Donc cette notion de climat, vous voyez, elle renvoie déjà tout de suite au fait qu'il y a une organisation des champs de température, des champs de précipitation tout autour de la planète, et qu'en plus, il y a un cycle saisonnier. Et donc d'emblée, vous voyez bien que dans la notion de climat, il n'y a pas seulement la notion de moyenne, mais il y a la notion du fait que ces choses-là, elles varient. Elles varient dans le temps, elles varient de manière et dans l'espace, de manière plus ou moins régulière ou avec déviation. Et en fait, ce qui va nous intéresser dans le climat, ce n'est pas tellement ce qui est stable, à la limite, c'est plutôt ce qui varie et qui peut varier à différentes échelles. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, encore une fois, le climat, ça définit des grandes zones. Il fait quand même plus froid au pôle qu'en équateur. Ça, c'est toujours vrai, mais le climat varie d'une année sur l'autre. Et donc là, je vous ai juste représenté une série, c'est la moyenne annuelle des températures du globe sur le dernier siècle. Donc vous voyez qu'on peut, voir plus ou moins des évolutions, mais on voit aussi que vous pouvez trouver que c'est plus ou moins erratique d'une année sur l'autre. Donc ce qu'on va faire, si on veut essayer
d'avoir une idée des évolutions, c'est qu'on peut faire par exemple des moyennes. Donc là, j'ai juste fait des moyennes sur 10 ans qui vous font apparaître un signal qui est beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une variabilité interannuelle d'une année sur l'autre et on peut la filtrer de manière très simple. Et là, on voit apparaître un signal qui est plus lisse et notamment assez clairement l'augmentation des dernières décennies sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Une chose sur laquelle je voudrais insister à ce stade-là, c'est que cette variabilité peut se faire à plusieurs échelles. Par exemple, si vous prenez une année très chaude ici à Grenoble, elle sera toujours plus froide qu'une année à l'équateur. D'accord ? Donc on a bien le fait qu'ici on est soumis à une certaine variabilité du climat, mais qu'en même temps, si on le regarde à l'échelle de la planète, il y a des grands ensembles climatiques qui ne vont pas bouger. Et même quand il va y avoir du réchauffement climatique, ça va chauffer partout, donc l'équateur et les tropiques resteront plus chaudes que les latitudes tempérées ou les pôles. Mais à un endroit donné, il y a une variabilité d'une année sur l'autre qui peut être importante. Et j'insiste là-dessus parce que, évidemment, quand on a des discussions pour savoir comment le climat évolue, à quelle vitesse, est-ce que c'est significatif, c'est important de savoir qu'il y a cette variabilité naturelle du climat et qu'en même temps, elle est très organisée. Alors, le climat, c'est un système qui est, je dirais, hétérogène et solidaire. On ne va pas rentrer dans toute la complexité de cette figure, mais je l'ai mise juste pour vous montrer qu'en fait, elle est constituée essentiellement de deux choses. Il y a ce qu'on va appeler la partie externe. Et donc la partie externe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Soleil. La seule source d'énergie significative climatique pour la planète, c'est le Soleil. Bon, il y a un peu d'énergie qui vient de la Terre interne, hein, parce qu'elle est chaude et puis qu'elle évacue sa chaleur, mais c'est négligeable par rapport au Soleil. Et puis il y a tout le reste qui est là. Alors vous voyez, il y a des rivières, il y a des montagnes, il y a des glaciers, il y a des gaz dans l'atmosphère, il y a un certain nombre de choses. Et tout ça, c'est ce qu'on va appeler la partie interne. Et donc le climat, il peut varier pour deux choses, soit parce qu'on change les conditions externes, soit on change les conditions internes. Le facteur externe, c'est assez simple, hein, ce que je disais tout à l'heure, la Terre tourne autour du Soleil, et donc il y a une certaine variabilité qui est liée à ça. À nos échelles, la puissance produite par le Soleil est constante. En fait, à des échelles de millions d'années, elle change, elle augmente graduellement, et puis elle va baisser jusqu'à ce que l'étoile s'éteigne. Mais à nos échelles, c'est absolument totalement négligeable. Donc voilà, le Soleil envoie une puissance constante à la surface de la planète. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Terre, tournant autour du Soleil, elle le fait, c'est un peu une ellipse. C'est-à-dire c'est pas vraiment un cercle, et cette ellipse, elle peut varier, c'est-à-dire ce qu'on appelle son excentricité peut varier un peu dans le temps, et avec une périodicité qui est de l'ordre de 100 000 ans. Et plus votre ellipse, ça vous pouvez concevoir que plus l'ellipse va être aplatie, plus les gradients de température à la surface de la planète vont être importants, c'est-à-dire que la différence entre l'équateur et les pôles sera plus importante. Un deuxième paramètre qui varie, c'est ce fameux axe d'inclinaison. Donc la Terre, c'est un peu comme une toupie, hein, c'est une toupie qui tourne, et en même temps qu'elle tourne, elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Et l'inclinaison de l'axe de la toupie varie environ de 2 degrés, entre 22-20, 22-30 et 24-30. Actuellement, on est à 23-30, c'est-à-dire qu'on est dans une position médiane. Et ça a l'air de rien, mais de faire varier un tout petit peu l'axe de la toupie, ça va faire varier la quantité d'énergie totale qui est reçue sur la planète. Et ça, c'est à des échelles de l'ordre de 40 000 ans. Et puis un dernier facteur qui joue, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. En fait, c'est que le fait que quand la Terre tourne sur son orbite, elle glisse sur cette orbite. Et donc il y a des situations dans lesquelles vous allez être au plus près du Soleil, donc sur la partie... oui, parce que ce qu'il faut mentionner pour ceux qui ont... quelques souvenirs de géométrie, c'est que quand on a une orbite elliptique comme ça, le Soleil, il n'est pas au milieu, il est à un des pôles de l'ellipse. Et donc, il y a des situations dans lesquelles la Terre est proche du Soleil et dans lesquelles elle est plus loin. Et donc, selon que cette position, c'est en hiver ou en été, dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, ça va changer également la quantité totale de rayonnement qui est reçue par la Terre. Donc voilà, il y a trois sources dans la variabilité externe, avec des échelles que vous voyez ici, qui sont donc de l'ordre de 100 000, 40 000 et 20 000 ans. Et puis il y a un facteur interne, alors il y en a plusieurs, on ne va pas faire tout un cours sur le climat ici aujourd'hui, mais il y en a un qui est majeur, dont vous avez beaucoup entendu parler, ce sont les gaz à effet de serre. Alors quel est le rôle des gaz à effet de serre? Voilà un petit schéma, encore une fois on ne rentre pas dans le détail, mais il y a toutes ces flèches et à côté de ces flèches il y a des chiffres. Ces chiffres c'est des puissances,
En watts par mètre carré, voilà, il y a le soleil, hein, y a le chiffre qui est à droite, le 342, c'est ce qu'on reçoit du soleil à l'échelle de l'atmosphère. Et après, il y a un certain nombre d'interactions qui vont se passer. Et d'une façon très, très, très primitive, ce rayonnement, en fait, il arrive dans ce qu'on appelle des courtes longueurs d'onde. Donc les courtes longueurs d'onde, c'est la lumière visible, c'est l'ultraviolet, hein, l'ultraviolet dont il faut se protéger. Et c'est d'ailleurs important qu'il y ait une atmosphère. Si on n'avait pas d'atmosphère, on ne pourrait pas vivre, parce qu'on serait, voilà, la vie humaine est incompatible avec les ultraviolets en dose massive. Et donc, en gros, l'atmosphère, tout ce qui est ici représenté dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, etc., est grosso modo transparente, ou très passablement transparente, on va dire, à ces rayonnements, ce qui fait qu'en gros, il arrive à la surface de la Terre. Quand il arrive sur la surface de la Terre, il la chauffe, et dans la journée, et quand vous coupez la source de chaleur, il va re-rayonner, d'accord ? Vous prenez un mur qui est exposé au soleil dans la journée, le soir le soleil ne chauffe plus, vous arrêtez, vous vous mettez devant le mur, ben, c'est très agréable parce que le mur rayonne toute la chaleur qu'il a accumulée pendant la journée, et il rayonne selon une loi qui est très connue, qui s'appelle la loi de Boltzmann, qui est en fonction de la puissance 4 des différences de température entre la source chaude et la source froide. D'accord ? Mais ce rayonnement, il se fait dans des grandes longueurs d'onde. Donc si on n'avait pas d'atmosphère, donc si on était comme un espèce de corps noir dans un environnement sans atmosphère qui ne filtrerait pas le rayonnement, la température d'équilibre du globe, ce serait moins 18 degrés. D'accord ? Vous réglez, hein, la température, elle va s'ajuster de telle sorte que la quantité de radiation qui sort, elle doit être équivalente à la quantité de radiation qui rentre. Et donc, c'est moins 18. Donc, la preuve que le gaz à effet de serre existe, eh ben, c'est tout simplement que sur Terre, il fait plus 15. Si vous faites l'intégrale des températures sur tout le tour de la planète, au cours de toutes les saisons, vous avez plus 15. Et la différence de 33 degrés, c'est les gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gaz à effet de serre ? Ce sont essentiellement la vapeur d'eau, pour commencer. Il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y a du méthane, il y a du dioxyde d'azote, il y a de l'ozone et il y a du CO2. Dans ces différentes espèces chimiques, elles n'ont pas toutes un pouvoir de filtrage, de piège. Oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, pardon, c'est que je n'ai pas fini mon explication tout à l'heure. On réémet dans des grandes longueurs d'onde, et l'atmosphère est transparente aux petites longueurs d'onde, et elle est relativement opaque aux grandes longueurs d'onde. Et l'effet de serre, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous réémettez, vous en piégez une grande partie dans l'atmosphère qui le réfléchit vers la Terre, et donc on a une température d'équilibre qui est à plus 15. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup du CO2 alors que ce n'est pas forcément le plus efficace, entre guillemets, en termes de gaz à effet de serre ? C'est pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une espèce chimique extrêmement stable, donc sa durée de vie dans l'atmosphère est très longue, à partir du moment où on l'a émis, alors que par exemple le méthane, qui est 20 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre, il est chimiquement instable et il va se dégrader, notamment en CO2. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il se trouve que tout notre développement industriel c'est fait sur des énergies carbonées et que donc on émet massivement du CO2 depuis maintenant 100 à 150 ans. Et donc c'est le sujet essentiel aujourd'hui du réchauffement climatique. Voilà un peu pour les éléments globaux sur le climat. Alors qu'est-ce qu'on peut dire un peu de son évolution ? Et de son évolution, j'ai mis depuis la sédentarisation humaine. Alors ce n'est pas tout à fait un hasard si je mets ça, c'est d'une part parce que c'est en gros à ces échelles de temps qu'on a une vision assez précise de comment ont évolué un certain nombre de paramètres clés du climat pour l'espèce humaine, et aussi parce que finalement l'espèce humaine s'est développée dans un contexte climatique auquel on s'est adapté. Je reviens sur le schéma que je montrais tout à l'heure, hein, qui est l'évolution de la température globale sur la planète. Alors, c'est des différences de température par rapport à une référence. Vous voyez, j'ai pris ici la moyenne 61-90. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que déjà en 1960, par rapport le début du schéma, c'est ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, 1850, on a déjà eu un premier réchauffement. Et puis, depuis l'époque 61-90, on a une augmentation qui est très significative. Et en particulier, au cours des dernières années, donc cette augmentation, lors du dernier rapport du GIEC, 2013, c'était 0,85 degrés. On pourrait discuter de savoir est-ce que c'est important ou pas, plus 0,85. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le dernier rapport du GIEC, en fait, on a eu des années extrêmement chaudes. Pour la première fois en 2015, on a fait plus 1, en 2016, on a fait plus 1,15, et en 2017, on est à nouveau à plus 1.
Derrière ça, il y a une réalité qui se cache, c'est que, à part une année qui était 1998, toutes les années les plus chaudes que la planète a enregistrées se situent au XXIe siècle. Donc le signal du réchauffement du globe, il est absolument univoque et incontestable. Est-ce que c'est important? Est-ce que plus 0,85, c'est important? Il y a deux aspects derrière cette question. Il y a un aspect qui est la vitesse à laquelle ça produit dans le temps, et il y a aussi, et ça j'y viendrai un peu plus tard dans ma présentation, la manière dont ça se traduit à la surface du globe. Ici, je vous mets un petit schéma qui montre la reconstitution des températures depuis moins 8000, hein, jusqu'à aujourd'hui, donc à gros en 2000. Et donc ce que vous voyez, c'est que cette température, en gros, par rapport à la référence dont je parlais, elle a oscillé entre moins 0,4 et plus 0,4. Et donc finalement, alors aujourd'hui on est sorti de l'enveloppe, hein, quand vous voyez le trait rouge à droite, donc on sort de cette enveloppe plus 0,4, c'est pas tellement la valeur absolue qui est sur laquelle je voudrais insister ici, c'est la dynamique du signal. Vous voyez un peu comment est la courbe avant en bleu, elle a des fluctuations, elle est relativement rapide, et vous voyez le trait rouge, à cette échelle-là, c'est quasiment vertical. D'accord ? Donc, ce qui est important, encore une fois... Ce qui est vraiment important ici à retenir, c'est le fait que, par rapport aux échelles de la vie humaine et de ce qu'on a connu, le réchauffement, indépendamment de son intensité, il est extrêmement rapide. Deuxième, donc ça c'est pour la température. Deuxième aspect de la question, le CO2. Donc il y a ici plusieurs courbes. Regardez juste la courbe verte. C'est sur, vous voyez, c'est des K années. Donc là, on parle du climat au cours des 800 000 dernières années, tel qu'on a pu le reconstituer à partir des carottages qui sont faits en Antarctique. Quand même, si vous regardez les courbes A, B et C en noir, ça représente, vous voyez, c'est des espèces de sinusoïdes. Ça représente ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la variation naturelle de l'énergie solaire reçue à partir des paramètres de l'orbite terrestre, l'excentricité, l'obliquité et la précession. Et vous avez une réponse en termes de carbone derrière. Alors c'est un petit peu compliqué d'expliquer quel est le lien entre le CO2 et les variations de ces paramètres. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'en gros, la teneur en carbone sur cette période, dans l'atmosphère, elle est entre 180 et 280, c'est ce qu'on appelle des ppm. C'est des parties par million, ce que ça représente à la limite, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est cette gamme de variation qui est de 180 à 280. Si vous regardez dans les années récentes, vous apercevez que finalement, au cours de ce qu'on appelle des âges historiques, depuis l'an zéro, en gros, on est resté autour de 280. Et puis à partir de 1850, on commence à avoir des développements de l'industrie dans les pays occidentaux, et on voit graduellement la teneur en CO2 qui se met à augmenter, et de plus en plus rapidement. Et pour la première fois en 2015, on a atteint 400 ppm. C'est-à-dire que toute la civilisation humaine, parce que quand on dit 800 000 ans, moins 800 000, on est bien avant Homo sapiens et Néandertal. Il y a déjà des hominidés sur Terre, mais il n'y a pas vraiment de civilisation humaine encore. Toute la civilisation humaine, elle s'est développée dans une atmosphère qui est entre 180 et 280 ppm. Et aujourd'hui, on est à 400 ppm. Donc on est clairement sorti de l'enveloppe de tout ce qui a connu l'humanité précédemment. Après, on peut discuter de savoir si c'est grave ou pas, mais il faut quand même déjà avoir en tête l'importance de ce signal et encore une fois la rapidité à laquelle ça s'est fait. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette mutation, elle est très rapide. C'est comme pour les températures. On voit ici sur ce signal qu'elle a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies, et y compris depuis le fameux sommet de la Terre de Rio, qui a été la première grande conférence internationale où on a dit, où les scientifiques ont réussi à alerter les politiques en disant « Attention, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, parce que ça, il faut quand même que vous réalisiez quelque chose. » Le CO2... Il n'y a personne dans cette salle qui a jamais senti une molécule de CO2. Si je vous mets du méthane, vous allez le sentir. Si je vous mets de l'ozone, vous allez le sentir. Ça va vous piquer les yeux. Je vous mets du CO2, ça ne va rien changer. Vous passez de 400 à 800 ppm, ça ne vous fera aucune différence. Ça ne va pas vous empêcher de respirer tant qu'on reste dans ces taux-là. Donc c'est un signal qui est indétectable par le commun des mortels. Si vous n'avez pas des scientifiques qui font des mesures de CO2 dans l'atmosphère, qui disent « attention, le CO2 il est en train d'augmenter »,
C'est conforme au fait qu'on sait que les énergies carbonées, ben voilà, quand on brûle du pétrole, quand on brûle du charbon, c'est une réaction chimique, on sait très bien que ça émet du CO2. Et à un moment donné, on dit, ben attention, on regarde, on fait des modèles, et si on continue à augmenter le CO2, on va beaucoup réchauffer la planète. En 92, il y a un sommet de la Terre international où les politiques disent, oui, c'est un sujet important, on va s'en emparer. Et donc, c'est le début de l'histoire du groupement international des experts sur le climat. Mais vous voyez que malgré ça, eh bien, les émissions ont continué à s'accélérer. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le CO2 qu'on émet aujourd'hui, il va rester dans l'atmosphère pendant très longtemps. Et qu'en fait, il y a un déphasage entre l'augmentation de la teneur de CO2 dans l'atmosphère et le signal en température. Si vous regardez derrière, ça, c'est des... Ces trois courbes hein, qui sont issues du dernier exercice du GIEC, donc c'est toujours pareil, on commence à l'époque pré-industrielle, au milieu du 19e siècle, où ça augmente gentiment, c'est la courbe noire qui nous amène aujourd'hui, dans les années 2010-2012. Et ce que vous avez en bleu, en vert et en rouge, c'est les scénarios. Donc c'est trois scénarios, il y en a quatre, là j'ai mis que trois courbes. Un scénario relativement optimiste, en bleu, qui prévoit qu'on va continuer à augmenter et puis qu'on va plafonner. Et puis le scénario le plus défavorable, en rouge, où on dit on fait rien et voilà où on va. C'est-à-dire que si on fait rien aujourd'hui, c'est la courbe rouge, on va à plus 5, plus 6 degrés de température moyenne sur la planète. OK ? Si vous voulez avoir... Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'émissions de CO2 ? Ben, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement... L'émission de CO2, ce n'est pas la courbe bleue des températures. Il faut prendre des mesures dès maintenant pour diminuer les émissions de carbone. Parce que tout le CO2 qu'on a déjà émis et tout ce qu'on va continuer à émettre, vous avez peut-être entendu parler que la France n'a pas tenu ses engagements de 2015 cette année. On est à plus 3,5% par rapport à nos engagements qu'on avait pris. D'accord ? Donc même la France qui fait quand même des efforts, qui est un des pays vertueux, a du mal à tenir ses engagements. Donc je ne vous dis pas ce qu'il en est pour les autres pays. Donc on va continuer à émettre. Tout ce CO2 va rester pendant longtemps dans l'atmosphère et ses effets radiatifs... ils vont perdurer pendant longtemps. Et donc, si vous voulez avoir une température qui se stabilise, il faut que vous ayez à droite, en termes d'émissions, la courbe qui est bleue, c'est-à-dire il faut décroître de façon extrêmement importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une action qui va être contrainte tout au long du siècle, hein, du siècle dans lequel on est. Le premier, c'est qu'il faut éviter tout retard. C'est-à-dire que si vous prenez du retard, vous êtes déjà sur la courbe intermédiaire, okay ? La courbe qui est en magenta. Et donc là, vous ne parlez plus d'un plus 2, vous êtes à plus 3, à plus 3,5, voire plus 4 degrés. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des actions à caractère structurel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire simplement on prend quelques actions maintenant qui vont produire des effets à court terme. Il faut avoir des actions qui vont produire des effets sur le long terme dans le domaine des transports, de l'urbanisme. On a évoqué tout à l'heure les questions d'isolation. Et dans le changement des filières énergétiques, il y a une urgence absolue à sortir des filières énergétiques carbonées. Ça, on ne pourra pas s'en passer. Et puis enfin, il y a éventuellement le fait qu'on pourrait avoir des émissions négatives, donc développer des techniques de géo-ingénierie pour piéger du carbone. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de... si on le regarde d'un point de vue un petit peu global ? On s'amuse, donc un certain nombre de pays, parce que pas tous les pays, brûlent allègrement des énergies carbonées depuis 1850. Le cumul autorisé pour rester dans la fameuse enveloppe des 2 degrés, c'est ce que vous avez ici à gauche en vert. D'accord ? Ça revient, hein, ce sont des... on est ici en termes d'équivalent carbone, c'est 3000 gigatonnes au total qu'on a le droit d'émettre. Qu'est-ce qu'il nous reste à émettre ? C'est ce qui est en rouge. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on a déjà pratiquement émis 2/3 de ce à quoi on a le droit. On les a émis... En gros, dans une planète à 2 à 3 milliards d'habitants, dans ces planètes, cette planète à 2 à 3 milliards d'habitants, on peut considérer qu'il y en avait 500 millions qui émettaient, d'accord, et qui l'ont fait pendant un siècle. Aujourd'hui, on est à 7 milliards, on sera à 8, 9 milliards. Et donc, il va falloir que ces gens-là, ils se partagent le petit bout de gâteau qui reste, qui est en rouge. Donc, vous prenez la mesure de l'ampleur des décisions qu'il va falloir prendre si tant est qu'on veuille rester sous ce fameux seuil des 2 degrés. On peut envisager éventuellement que si on a des émissions négatives, ça nous donnera un peu d'air. Et dans ce cas-là, vous voyez sur la barre de droite, effectivement, le stock
qu'on pourrait émettre serait un peu plus important. Mais dans tous les cas, vous voyez bien qu'il faut quand même prendre un certain nombre de mesures. Donc voilà un peu ce qui est, pour ce qui est du paysage global, c'est-à-dire à la fois, il y a une question. Qu'est-ce que c'est le total allowance? Ah oui, c'est pas en anglais là pourtant, c'était prêt. Alors donc, c'est le total qui est autorisé pour atteindre un certain niveau. Donc c'est ce que j'ai mis ici en français. D'accord. Pardon? Oui, c'est un mot anglais, je m'excuse. Il y a quelques, voilà, quelques diapositives que j'ai extraits de rapports qui sont en anglais. Mais c'est bien, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, faisons une. Regardons maintenant ce qu'il en est un peu à l'échelle locale. La première chose, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que l'augmentation de la température constatée en 2013, c'est plus 0,85 pour l'ensemble de la planète. Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que ça veut dire plus 0,85? Vous êtes ici à Grenoble, l'hiver, vous avez froid. Vous vous dites quand même, c'est pas mal, si j'ai plus 1 degré, on va chauffer moins, c'est plutôt plus confortable. Alors il y a deux choses qu'il faut avoir en tête par rapport à cette réaction. La première, c'est que sur cette carte, vous avez, donc vous voyez, il y a une échelle en bas qui va du bleu clair, jaune-orange, et puis à droite, du rouge foncé et du violet, qui sont les augmentations de température. Et vous avez la répartition sur la planète, sous forme de petits pixels. Ce que vous voyez, c'est que d'abord, bon, c'est partout dans les oranges, rouges, sauf un peu dans l'océan au large du Groenland. Et vous voyez qu'il y a des endroits où on est déjà dans le violet. Donc il y a déjà des endroits sur Terre aujourd'hui où l'augmentation de la température, elle est plus 1, plus, elle est supérieure à plus 1 degré, et souvent elle atteint 2 degrés. D'accord. Parmi ces régions, vous voyez qu'il y en a qui sont un peu en Amérique du Sud ou en Afrique. Vous êtes dans des pays où l'été, il fait déjà parfois plus 44, plus 45. Vous rajoutez 2 degrés, ça devient à peine supportable. Si vous êtes dans des scénarios de réchauffement, vous êtes à 47, 48, c'est pas compliqué, il n'y a plus personne qui vit. Vous avez rendu totalement inhabitable certaines terres de la planète. Alors, quelque part, dans l'absolu, vous allez me dire, mais il y a déjà des endroits inhabitables. Il n'y a personne qui vit au cœur de l'Antarctique, il n'y a personne qui vit dans le cœur au cœur du Sahara. Si on avait le choix aujourd'hui, vous nous donnez 8 milliards d'habitants, vous définissez le climat, vous dites où on va les mettre pour qu'ils vivent le mieux possible. Est-ce que c'est plus grave d'être sur une planète à plus 17 ou plus 15? J'en sais rien. Le problème, c'est que les habitants, ils sont déjà là. Et si vous savez comment vous déplacer massivement 300 à 400 millions de personnes, je pense que vous pouvez le dire. Il y a des gens qui seraient très intéressés de connaître la solution. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur les continents, de manière générale, le réchauffement, il est plus important que le réchauffement moyen. Les océans ont une grande capacité thermique, donc ils absorbent beaucoup de CO2 d'ailleurs aussi. Et en réalité, on est déjà parfois à plus de degrés. Et donc si on le regarde en particulier dans la région, on prend par exemple au col de Porte, Météo France et le Centre d'études de la neige ont une station météo là-haut, on voit qu'on est déjà à plus 1,8. Et en gros, dans les Alpes, en général, c'est à peu près ça l'ampleur du réchauffement. C'est entre plus 1,5 et 2 degrés. Donc on a déjà à peu près un facteur de... Oui, une question là-bas. Pourquoi on n'arrête pas le nucléaire si ça pollue? Alors, bon, on traitera ça tout à l'heure. C'est une question. Oui, alors, le nucléaire, alors. Je vais on pourra y revenir peut-être dans les bacs, mais quand même pour répondre un petit peu tout de suite à ta question, de façon assez intéressante, justement, le nucléaire n'est pas une industrie carbonée. Donc, typiquement, le nucléaire, tu produis de l'énergie sans émettre de CO2. En tout cas, sans émettre directement dans la filière de production. Après, il y a toute la filière énergétique en amont, il y a l'extraction minière. Donc il y a les émissions de CO2 qui sont associées à toute la filière énergétique, mais la centrale nucléaire elle-même, elle n'émet pas de CO2. D'accord? Mais toutes les questions sont liées. Donc, actuellement, vous voyez qu'on est, dans nos régions, déjà à des augmentations de température qui sont de l'ordre de... on approche les 2 degrés. Ça veut dire, en particulier, que si vous prenez encore plus 1 ou plus 2 degrés, vous allez... La perspective, ne serait-ce que pour les Alpes, même si vous êtes dans le scénario optimiste du GIEC qui est à plus 2, la perspective, c'est plus 3, plus 4.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, le gradient de température dans l'atmosphère, c'est 2 degrés tous les 300 mètres. Si vous réchauffez de 4 degrés, vous remontez toutes les isotempératures de 600 mètres, et en gros, notamment, pour l'industrie de la neige, par exemple, vous remontez la limite puits neige de 600 mètres. D'accord ? Donc, c'est un peu ça, la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui. On l'a déjà remontée, on le voit bien, j'évoquerai tout à l'heure les questions un peu d'enneigement et de neige de culture. On le constate déjà, mais la trajectoire fait que, inévitablement, ça ne se discute pas, c'est inévitable, on va encore prendre 300 à 400 mètres sur la remontée de la ligne de neige. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'en réalité, par chance ou non, il se trouve que le réchauffement, il n'est pas non plus uniforme dans l'année et que ça va se réchauffer plus l'été que l'hiver. Cette remarque, elle est quand même intéressante parce que ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie de la neige. Mais si vous habitez à Grenoble et que vous savez ce que c'est que les vagues de chaleur l'été, hein, il faut vous imaginer, quoi, c'est pareil, quand vous êtes l'hiver, on vous dit plus 1, plus 2, c'est confortable. Si vous êtes l'été, qu'on vous dit plus 4, là, vous commencez un peu à prendre peur parce qu'on sait que Grenoble, l'été, quand il fait chaud, c'est une ville qui n'est pas très agréable. Voilà. Alors, juste en passant comme ça, une conséquence très immédiate de ce réchauffement qui se voit là dans le paysage, c'est la fonte des glaciers. Donc ici, c'est des simulations qu'on a faites sur le glacier de Saint-Sorin. Ce n'est pas tout à fait en Isère, c'est juste à côté, hein, derrière l'étendard. On a déjà vu ce dossier. Alors, je n'ai pas mis l'image là parce que je pense que vous les avez déjà vus. Tous ceux d'entre vous qui se baladent en montagne depuis quelques années ou décennies, on voit le recul des glaciers. Donc ça, c'est un formidable intégrateur, hein, qui rend parfaitement sensible l'augmentation des températures. Et ce glacier ici, eh bien, voilà, il est tout simplement voué à disparaître dans le cas d'un scénario d'évolution des températures modérées. Et il y en aura d'autres. Il y en a déjà un sous nos yeux qui est en train de disparaître. C'est le glacier blanc donc, qui est à l'Alpe d'Huez. Bon, ça, vous me direz, à la limite, les glaciers, ça disparaît. C'est peut-être pas une grosse importance. Si, un petit peu pour l'énergie hydroélectrique, mais il y a quelque chose qui est un sujet beaucoup plus sensible, bien entendu, qui est celui de l'enneigement. Alors ici, il y a trois courbes. Donc c'est toujours pris à la station du col de Porte, en Chartreuse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, 1350 mètres, donc assez typique des stations de montagne de moyenne altitude. Vous avez trois graphiques. Vous avez au milieu la température hivernale. Alors en noir, c'est ce qui est observé. Et puis en rouge et en bleu, c'est les deux scénarios extrêmes du GIEC. Et ce que vous voyez, c'est une augmentation qui est progressive, assez significative, donc qui peut nous emmener éventuellement, selon les scénarios, à plus 2, plus 3, plus 4 degrés. En haut, il y a une autre représentation de ça. C'est à la fois la date d'arrivée. Vous avez en bas l'échelle, là, c'est les mois. La courbe du bas, c'est la date d'arrivée de la première neige. La courbe du haut, c'est la fonte du manteau neigeux. Et donc, vous voyez que les deux courbes ont tendance à se rapprocher. Et que si vous êtes dans la courbe rouge, bah, c'est pas compliqué. En 2080, il n'y a plus de neige parce qu'elles fond avant même d'arriver. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on regarde pour cette station en particulier, c'est qu'on a déjà pris 2 degrés par rapport à 1960, on a pris 2,8 par rapport à 1960. Enfin, non. Si on prend un scénario, pardon, à plus 2 degrés en global, hein, sur l'ensemble de la planète, ça veut dire en gros que ce sera plus 2 par rapport à 1960, plus 2,8 par rapport à 1900. D'accord? Ça, c'est l'hiver. Parce que c'est une chose très importante, ce que je vous montre là, c'est des courbes pour l'hiver, ce n'est pas des courbes pour l'ensemble de l'année, et comme je vous ai dit, le réchauffement il sera plus important l'hiver que l'été. Sur l'ensemble de l'année, ce sera plus 3 par rapport à 1960, et ce sera plus 4 par rapport à 1900. Et si vous prenez le scénario rouge, où là, c'est ce qu'on appelle « business as usual », hein, en anglais, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de mesures pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, on montre à quelque chose qui peut être, en gros, l'hiver, on prend plus 6 degrés au col de Porte. D'accord ? En réduction, en termes de manteau neigeux, eh bien, on a deux scénarios. Donc, on a, en gros, on passe de 150 à 90 jours d'enneigement à horizon 2060 pour le scénario optimiste. Et puis, ce que je mentionnais tout à l'heure, dans le scénario le plus pessimiste, eh bien, c'est une disparition totale du manteau neigeux. Quels sont les... Alors, je mentionnais tout à l'heure, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais sur les glaciers, parce que bon, ça nous paraît moins... ça a une valeur, disons, paysagère, ça a une valeur aussi pour les alpinistes, mais grosso modo, on peut penser que la valeur économique des glaciers est moins importante. Il y a quand même
quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la région est très fortement productrice d'hydroélectricité et que les glaciers, c'est un formidable moyen de stocker et de tamponner le cycle hydrologique moyen au cours de l'année, et notamment des torrents de montagne. Quand est-ce qu'ils produisent le plus? Ils produisent le plus l'été, parce que c'est la fonte des glaciers. Si vous faites disparaître les glaciers, vous aurez beaucoup plus une production qui sera une production au printemps. Et donc les courbes qui sont en dessous, c'est un peu ça. Ça montre le décalage de l'hydrogramme, ce qu'on appelle l'hydrogramme moyen annuel. D'abord, on voit qu'il va diminuer, parce qu'une fois qu'on aura fait fondre l'eau, là, dans un premier temps, ben, on va avoir de l'énergie produite. Puis une fois qu'on aura fait fondre les glaciers, ben, cette énergie ne sera plus disponible. Donc même sur la question des glaciers, qui a priori peut nous sembler un peu plus patrimonial que réellement économique, il y a quand même des vraies questions économiques qui se posent. Donc voilà un petit peu pour les aspects, je dirais, comment... Oui, encore une question là-bas. Que veut dire un espace de réflexion socio-économique ? Ah, et bien voilà, justement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on met ensemble différents acteurs du territoire, des collégiens, des acteurs économiques, des décideurs politiques, des scientifiques, et on essaye de partager à la fois nos connaissances, notre perception des enjeux, notre perception de ce qu'est le changement climatique, notre perception des enjeux, et quelles sont les décisions que, collectivement, on peut être amené à prendre. Donc le rôle du scientifique, c'est d'essayer de mettre sur la table les informations qu'il a de la manière la plus objective possible pour qu'elles soient ensuite partagées et utilisées. Donc c'est la responsabilité première, bien entendu, des décideurs politiques, mais c'est aussi la responsabilité de tous les citoyens de les accompagner. Oui ? Mais si tous les collèges, par exemple, faisaient des... Comment dire ? Que tous les collèges faisaient des bacs, par exemple, pour les détritus, pour qu'ils soient dissous, on va dire. On pourrait utiliser quand même... on pourrait faire ça dans tous les collèges. Alors, tout à fait. Donc, bon, ce que tu mentionnes, alors, c'est une question intéressante parce que quand tu parles des détritus, c'est... plus, on va dire, une question de gestion environnementale au sens large que directement climatique, même si derrière, il y a des incidences climatiques. Parce que, d'une manière générale, ce qu'il faut comprendre dans la question du climat, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits. C'est pas par stupidité qu'on brûle du pétrole. C'est que c'est l'énergie la plus directement accessible, la plus facilement accessible, la mieux maîtrisée techniquement et qui a le meilleur rapport énergétique. D'accord. Donc, décider qu'on se prive du pétrole, ou en tout cas qu'on réduit de façon très intensive sa consommation, c'est une décision très forte du point de vue de la décision publique. Mais dans les questions que tu poses, la gestion des déchets, plus on va produire de déchets, quoi qu'on fasse, même si on cherche à les récupérer, ça implique de l'énergie. Donc, derrière ta question, il y a quelque chose qui est un peu plus large, c'est une prise de conscience de dire « il faut qu'on réfléchisse » à quelle est l'empreinte de l'homme aujourd'hui sur la planète dans toutes ses composantes. Hein, bon, ça ne veut pas dire qu'on revient à l'âge de pierre, mais ça veut dire qu'on doit y réfléchir. Donc, les filières de récupération de déchets, c'est très bien, mais le mieux, c'est de produire moins de déchets. Produire de l'énergie par des filières renouvelables, c'est très bien. Ce n'est pas facile, bon, je ne sais pas si on en discutera, mais ça implique quand même un certain nombre de tournants techniques. Mais le mieux, c'est de ne pas la consommer, cette énergie. D'accord ? Donc, de toute façon, les solutions qu'il faut trouver, elles sont multifactorielles. Elles doivent aller depuis une certaine forme de sobriété jusqu'au développement de nouvelles technologies pour que même, bah, on va continuer à avoir une empreinte sur une planète. Vous avez 8 milliards de personnes, voilà, ils ne vont pas vivre chacun en autarcie sur leur bout de terre. Donc, de toute façon, on continuera à avoir une empreinte sur la planète, mais bon, il faut qu'elle soit la plus intelligente possible. Oui, je n'arriverai jamais à finir. Mais en fait, c'est que tout pollue, le pétrole pollue, le nucléaire pollue, la voiture pollue, tout ce qu'on utilise chez nous est pollué. Donc comment on peut faire pour remédier à ça? Ben c'est un peu ce que je viens d'essayer de dire, c'est qu'effectivement, à partir du moment où tu vis sur la planète, tu as une empreinte. Comme on est beaucoup, on a une empreinte qui est significative. Et donc simplement, il faut essayer d'avoir un peu plus de sobriété. Alors,
Je voudrais juste donner deux exemples. C'est assez compliqué de traiter. Après, on rentre vraiment dans le cœur du sujet au niveau d'une collectivité territoriale. Le président Barbier mentionnait que la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, finalement, c'est certainement pas du pays que va venir la solution. Et donc, après, si vous prenez le conseil départemental de l'Isère, il peut dire, bon, bah, après tout, nous, là-dedans, on pèse rien. Derrière ça, il y a un sujet qui est très important, qui est très présent dans les négociations internationales sur le climat. C'est la notion de passager clandestin. C'est-à-dire que vous pouvez dire, finalement, moi, je ne vais rien faire, parce que si personne ne fait rien, il n'y a pas de raison que je sois le seul à faire. Et puis si les autres font, surtout les gros acteurs, bon, moi, je ne me serais pas serré la ceinture et je profiterais de ce qu'ils ont fait. Et il y a des politistes et des sociologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui montrent en fait que l'attitude du passager clandestin, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Ça, c'est très intéressant, parce que en fait, dans les négociations internationales, il y a toujours la peur d'être monté du doigt comme le mauvais élève. Donc il y a un système d'entraînement, hein, c'est très sur le sujet, qui fait que, heureusement pour le moment, les négociations internationales climat n'ont jamais encore été trop bloquées par l'attitude du passager clandestin, même si en fait à Copenhague, il y a eu un peu une illustration de ça. Enfin bref, pour revenir à mon propos, j'ai essayé... alors, ce que je voudrais déjà mentionner, c'est que ce qu'il faut... qu'on partage tous en tant que citoyens, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur une science du climat global qui est une vraie science et qui a des résultats qui sont des résultats indiscutables. Ce que je vous ai montré dans la première partie de l'énoncé. Après, on peut être dans un monde de fake news et voilà, mais voilà. C'est en tout cas ce que les scientifiques peuvent apporter. La deuxième chose, c'est que on est confronté à des très fortes disparités régionales. Il y a beaucoup d'interactions. Hein. Vous vous rappelez le premier graphique, quand j'ai parlé d'un système hétérogène, enfin complexe et solidaire, on pourrait détailler toutes les interactions qui existent dans le système Terre, qui fait que bien comprendre la machine climatique, ce n'est pas quelque chose de forcément facile. Mais bien entendu, les comportements humains, donc c'est les questions que les jeunes ont posées à l'instant, les comportements humains et les formes d'organisation sociale jouent un rôle là-dedans. Ce n'est pas purement un système physique. D'accord ? Il y a une très forte interaction de la physique et de l'organisation des sociétés humaines. Et en particulier, si vous prenez l'image de gauche, ben c'est quand même vachement plus facile de démonter les huttes et de bouger si la surface, la mer atteint les rivages là où vous êtes installé, ou si vous n'avez plus accès à la ressource en eau. C'est beaucoup plus facile à gauche qu'à droite. Hein. Donc, vous pouvez aller discuter avec les New-Yorkais, mais ils ne sont pas vraiment sereins, les New-Yorkais. D'accord ? Et ce n'est pas tout à fait un hasard si aux États-Unis, les collectivités territoriales, les grandes villes, ont pris des positions qui sont extrêmement antinomiques de celles de Trump dans la lutte contre le changement climatique. Vous allez faire une conférence à l'Université de Columbia aux États-Unis devant un public comme celui-là, un grand public. Une des premières questions qu'on vous pose, c'est « Ah, mais est-ce qu'en 2050, toutes les rues de Manhattan seront sous l'eau ?» Parce qu'ils se rappellent de Sandy, etc. Il faut quand même savoir que le métro new-yorkais, il a été arrêté pendant, à l'époque de Sandy, qui était un cyclone. Pendant un mois, il n'y a plus de métro. C'est submersible, la ville de New York. D'accord ? Donc là, on n'est pas tout à fait dans le même monde à gauche et à droite. Ce que j'ai essayé de faire ici, on ne va pas le détailler, j'ai essayé de lister à l'échelle d'un territoire comme l'Isère quels sont tous les sujets qui sont quelque part un peu impactés ou pour lequel, sur lesquels on doit réfléchir en prenant en compte la dimension réchauffement climatique. Et bien entendu, pas seulement réchauffement climatique, hein, tous les aspects environnementaux qu'on a mentionnés. Alors, je vais pas les parcourir, hein, mais vous voyez qu'il y a des choses qui relèvent du domaine des ressources en eau, il y a des choses qui relèvent du tourisme, de la neige, il y a tout ce qui touche la biodiversité, pas la biodiversité simplement parce qu'on a envie d'avoir beaucoup de petites fleurs, mais parce que la biodiversité, c'est essentiel dans l'équilibre des écosystèmes. La notion de risque, on parlait tout à l'heure des routes de montagne qu'on ferme ou pas et de la grogne que ça peut provoquer dans les populations. La fracturation, les écoulements glaciaires, les éboulements de rochers. Il y a tous les risques sanitaires. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure les vagues de chaleur. J'ai une responsable du SDIS qui est ici. Je ne sais pas si les pompiers seront amenés à intervenir de plus en plus en cas de grosses vagues de chaleur l'été en ville. Les questions de qualité de l'air. Alors là, c'est bien. Hein, vous voyez, cette année, on n'a pas de problème de qualité de l'air. Donc,
parce qu'il pleut tout le temps. Ça, c'est bien, c'est un bon effet. Mais elle était très intéressante. Si vous comparez climatiquement les deux années précédentes et celle-là, ça nous donne deux bonnes illustrations de ce que pourrait être un climat moyen à horizon 2050. La question des forêts, et puis plus généralement, il y a tous les enjeux sociétaux et les enjeux économiques. Donc on pourrait en parler évidemment pendant plusieurs jours. Je voudrais juste faire une illustration, je ne sais pas trop si je vois le temps un peu. J'ai choisi deux illustrations, je vais peut-être en traiter qu'une seule. Un peu sur la question de la neige. Alors évidemment, je parle de la neige. Pourquoi je parle de la neige? D'abord parce que ça a un poids quand même important dans l'économie touristique du département et puis dans certaines communes. Parce que c'est un peu un symbole aussi quand même d'un département de montagne. Et puis parce que c'est facile de saisir les enjeux. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais c'est facile de saisir les enjeux parce que tout le monde comprend ce que je disais tout à l'heure, que si vous réchauffez 3 ou 4 degrés, ben, vous pouvez prendre le problème. Comme vous voulez, vous aurez moins de neige. Et en particulier dans les stations de basse altitude, il n'y en aura plus. Alors, est-ce qu'on peut s'adapter à ça? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Donc, on peut l'illustrer rapidement. Alors, une première chose qui est intéressante, c'est que les éléments que je vais vous donner là sont des éléments réflexifs. Ce n'est pas des éléments de prise de position par rapport au fait de savoir si on fait de la neige de culture ou pas. Mais c'est d'essayer de poser le problème pour comprendre comment l'interaction avec les scientifiques peut être intéressante pour traiter de ces questions. On sait faire techniquement aujourd'hui la neige artificielle à peu près à 0 degré, en gros. Mais ça dépend beaucoup de l'humidité de l'air, déjà, c'est une chose qu'on ne parle pas trop, parce que l'humidité de l'air, c'est aussi quelque chose qui va changer dans le changement climatique. Vous pouvez peut-être penser que, en gros, si je sais faire de la neige à partir de 0 degré, 15 décembre ou même 1er décembre, je tourne le bouton, j'allume les canons et j'arrose. C'est un peu plus compliqué. Si vous regardez sur ce graphe, vous avez en gros, en bas, c'est l'épaisseur naturelle de la neige damée pour un certain nombre, au 15 janvier. D'accord ? Donc ça, ça vous donne juste une idée de est-ce que l'année jusque-là, jusqu'au 15 janvier, elle a été très neigeuse ou pas. Et ce qu'on a mis en ordonnée, c'est le nombre d'heures pendant lesquelles on aurait pu canonner cette année-là. Alors ça, c'est une étude qui est faite pour la station de Lens en Vercors. Bon, je trouve que j'ai quelques raisons de m'intéresser à cette station. Et j'ai mis 3 points en coloré, 3 années très différentes. Si vous voyez déjà le nuage de points, vous vous rendez compte qu'en réalité, moins vous avez eu de neige, moins vous avez eu de créneaux horaires pour canonner. D'accord ? Donc ce n'est pas une solution miracle comme ça que vous pouvez installer une bonne fois pour toutes. L'enneigement artificiel, il reste tributaire des conditions climatiques. D'accord ? Alors, c'est probablement une trivialité pour un certain nombre d'entre vous dans la salle, mais c'est quand même bon de s'en rappeler. Et en particulier, là, avec le temps qu'il fait, je peux vous dire que les canons à neige, sur le Vercors entre autres, il n'y en a aucun qui tourne. D'accord ? Ils ne gênent pas la nuit. Il n'y a aucun canon qui tourne. Par contre, la neige, elle fond, parce qu'il pleut par-dessus, il fait chaud. Donc, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important à avoir en tête. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que... Oui ? Pourquoi il pleut tout, enfin, plusieurs jours comme ça ? Pourquoi il pleut là, beaucoup, beaucoup, beaucoup ? Oui. Bon, alors là, c'est un peu difficile, mais... En gros, si on veut fournir une réponse juste un peu de compréhension générale, ce que je mentionnais sur le climat tout à l'heure, on voyait qu'il varie. Je montrais juste les températures. C'est assez. Sinon, température, c'est un des signaux les plus simples à analyser et à mesurer. Quand on parle de précipitations, c'est plus compliqué, mais en gros, les précipitations, c'est géré par ce qu'on appelle de l'instabilité dans l'atmosphère, pas seulement localement, c'est ce qu'on appelle des perturbations qui viennent de loin. Et il y a des situations d'organisation, alors qu'on commence à comprendre, en particulier quelque chose qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, qui contrôle beaucoup l'ouverture, nous on appelle ça, c'est l'autoroute des perturbations. Et il se trouve que cette année, l'autoroute des perturbations, elle est ouverte plein pot depuis 2 mois et que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, voilà. Et en gros, pour te donner une idée des échelles, quand on dit ça, à quelles échelles on réfléchit, cette oscillation nord-atlantique, elle dépend beaucoup des différences de pression entre les Açores et l'Islande. Voilà. Et ces pressions-là, elles dépendent de la circulation atmosphérique générale tout autour du globe. Donc on l'étudie, ça a une certaine variabilité, il y a des caractères cycliques, c'est dû à des formes de périodicité qui existent dans le système atmosphérique. D'accord. Donc ici, ce que je montre juste, alors c'est un petit peu, c'est peut-être pas très simple à lire, mais je vais essayer de simplifier le message, juste, il y a les 3 années que je vous montrais tout à l'heure,
en couleur. Vous voyez qu'elles n'ont pas tout à fait la même dynamique. Même moi qui est de là, j'ai du mal à lire les couleurs. En gros, vous voyez qu'il y a une année bleue qui était très neigeuse. Et c'est une année... Alors, ce qu'on montre en haut, c'est l'enneigement naturel. Ce qu'on montre en bas, c'est les créneaux d'enneigement artificiel. C'est-à-dire qu'on dit que dès que les conditions de température sont réunies, on canonne. D'accord ? Donc, dès le 15 décembre, ce que vous voyez, c'est que... Non, dès le 1er novembre, pardon. Et donc, ce que vous voyez, c'est que les trois signaux, on n'a pas pu canonner tout le temps. D'accord ? Et que finalement, le signal vert qui était le plus déficitaire, c'est celui auquel on a pu le moins canonner. Néanmoins, bien entendu... Alors, c'est des simulations. Il n'y avait pas de canon à neige à l'époque. C'est des simulations qu'on fait avec des modèles météo. Ce que vous voyez quand même, c'est qu'en bas, au total en bas, vous avez quand même plus de neige sur les trois années que vous en avez sans canon. Donc, on a là une mesure d'adaptation. C'est-à-dire que la neige artificielle, clairement, c'est une mesure d'adaptation au déficit d'enneigement qui est lié au réchauffement climatique. Le message que je voulais... Alors, en gros, si vous prenez des chiffres, par exemple... vous regardez la cible du 15 décembre en disant, voilà, c'est quand même bien d'avoir de la neige à Noël, quand les gens y viennent en vacances, ils aiment bien que ce soit blanc. Vous voyez que, en gros, si vous prenez la période 60-99, on arrive avec l'enneigement artificiel, dans 96% des cas, on a de la neige au 15 décembre. Et sans enneigement, c'était 80%. Donc ça, c'est l'observé. Si vous regardez sur les années récentes, les 15 dernières années, vous tombez à 73% avec de la neige artificielle. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est pas assez? Ça se discute. D'accord? On peut discuter derrière de la valeur économique ou non, que ce soit 73% au lieu de combien? Eh bien, au lieu de 60%. Et donc, ce que vous voyez, c'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure. Vous augmentez 13% dans les années qui sont les plus chaudes. Vous passez de 60 à 73, alors que dans les années antérieures qui étaient plus froides, on passait de 80 à 96. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que finalement, la neige de culture, elle est d'autant plus efficace qu'on est déjà satisfait avec ce qu'on a comme neige. Mais néanmoins, c'est pas tout à fait négligeable pour les acteurs économiques du secteur si vous leur garantissez d'être à 75% au lieu d'être à 60%. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est parce que ce qu'on voit, c'est qu'on peut établir, on peut fournir des bases objectives de type météorologique sur, voilà, c'est quoi les conditions qui fait qu'on peut faire de la neige artificielle, c'est quoi l'apport qu'il va y avoir, et on peut après le chiffrer, notamment en termes de créneaux de production. Ce qui est important, c'est que aussi, des choses, c'est plus compliqué que ce que je vous ai montré, on parle de neige damée, il y a une forte sensibilité au vent, etc. Mais au total, le message qui est derrière ça, c'est que les travaux en fait, de la communauté scientifique, ils peuvent accompagner les collectivités territoriales, enfin on va dire les citoyens en général, dans la prise de décision sur des sujets qui sont complexes par essence. Donc le scientifique, il n'apporte pas des évidences, il ne dit pas sur cette base-là, j'ai pris exprès cet exemple parce qu'il est assez sensible, psychologiquement et économiquement. Il montre que... On a des mesures d'adaptation qui sont quantifiables en plus, parce qu'il faut bien voir que sur tous les autres sujets que je mentionnais là, où j'avais toutes mes petites bulles, il y a plein de sujets sur lesquels aujourd'hui c'est très difficile de quantifier les choses. Là, on est dans un domaine où on peut quantifier à la fois l'impact du réchauffement climatique et on est capable de quantifier la mesure de remédiation qui est derrière, ce qui souvent n'est pas le cas. Donc c'est un exemple simple. Et malgré que ce soit un exemple simple, c'est un exemple qui peut générer beaucoup de débats. En fonction de la valeur qu'on peut attribuer à la mesure de remédiation qui est prise. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais traiter aussi de la question des prairies d'altitude, mais globalement, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, je ne veux pas aller trop dans le détail. Simplement pour dire que derrière tout ça, il y a le fait qu'il y a de l'incertitude. C'est dans ce que j'ai mis ici dans le... sur mon fond orange. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on est dans un monde incertain et que ce n'est pas facile de discuter dans un monde incertain. Les gens qui prennent nos décisions, ils aimeraient bien que tous les paramètres soient parfois parfaitement contrôlés et qu'ils puissent dire, si je prends telle décision, voilà, je vais à tel endroit. Donc on est dans un monde incertain par définition. Et également, un autre message qui est très important, parce que ça, je pense qu'au niveau d'un... même à l'échelle d'un département, on peut faire des choses là-dessus, c'est que beaucoup de conclusions. Alors, je vous ai montré des résultats solides et très établis. Derrière, il y a beaucoup d'autres sujets. Sur ces sujets, on a beaucoup d'incertitudes. Et la projection qu'on peut avoir dans le futur, plus vous allez loin et plus l'incertitude est grande. Les systèmes en transition,
comme on n'a aucun modèle qui est capable de nous dire exactement comment ça va se passer dans 10, 20, 30 ou 40 ans, il faut les observer. C'est extrêmement important, à mon avis, pour les collectivités territoriales, à leur échelle, de mettre en place des stratégies pour observer la manière dont notre environnement est en train de changer. Pas seulement les températures, pas seulement le climat, il y a d'autres paramètres. C'est-à-dire, si on n'observe pas les choses, c'est extrêmement difficile de prendre des mesures adaptées. Et l'observation, elle vient en renfort de tout ce que les scientifiques peuvent déjà anticiper sur la base de leur modèle. D'accord ? Et ça, je crois que c'est quelque chose que volontiers les collectivités territoriales peuvent dire, oh, ça c'est le monde académique, il va se débrouiller, il va monter des services, des systèmes d'observation, etc. Non, je pense que l'observation, elle doit être aussi guidée par les besoins des décideurs. Et puis, c'est un peu cher, l'observation, il faut dire ce qu'il y a. Donc souvent, dans le monde académique, on n'a pas nécessairement les ressources pour le faire. Donc là-dessus, il y a vraiment un sujet extrêmement important de mobilisation. Et l'observation, je m'adresse ici aux collectivités territoriales, mais je m'adresse aussi aux collégiens, parce que c'est pédagogique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle de la science participative. On peut associer les écoles et les collèges à l'observation de leur environnement. Et ça, je pense que typiquement, le conseil départemental, il peut encourager des initiatives dans ce sens-là. Voilà. Alors, juste que je voudrais vous montrer... Je ne sais pas si je vais arriver à l'avoir, là, si je pouvais cliquer. Non, je ne l'ai pas eu. Il y a une animation, il faut cliquer dans le noir. Pour prendre des questions déjà en attendant, juste afficher et puis aller cliquer, pas en diaporama. Je vous écoute. Ah, elles ont déjà posé toutes leurs questions. Oui. Alors, il y en avait une première là, et puis après, là à droite. Monsieur là-bas. Oui, je suis Dominique Prénon. Je suis contributeur du GIEC. Si je parle plus fort, ça va ? Voilà, d'accord. Thierry, d'abord, je te remercie parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très utile de traiter de ce sujet, et en particulier ici. Là où j'aurais tendance à donner une information qui me semble importante, c'est quand on parle de remédiation, et en particulier... Alors, remédiation, ça veut dire qu'on essaye de trouver des moyens pour remédier aux inconvénients qui existent. Je crois personnellement en tant que citoyen, mais je crois aussi en tant que scientifique, que le meilleur moyen réellement de faire un monde d'ici la fin du siècle à peu près vivable, la première chose, c'est dépenser moins d'énergie. Et je crois que ça, c'est essentiel. Quels que soient les moyens qu'on essaye de trouver, le plus efficace, celui qui marchera le mieux, celui qui posera le moins de problèmes à l'environnement, et pas uniquement à l'environnement, c'est tout le monde, c'est moi, c'est tout le monde. C'est de dépenser moins d'énergie. Je crois que ça, c'est essentiel. Et je voudrais réagir à ce problème, effectivement, de la neige artificielle, parce que c'est vrai qu'il y a un débat, c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est vrai, comme l'a dit Thierry, comme il le montre, c'est vrai que, dans un certain sens, ça peut être une solution de remédiation. Par contre, je crois que quelque chose qui est important derrière, c'est que si on le fait, il y a aussi des inconvénients réels. Je ne vais pas le détailler, je ne suis pas un expert de ça et je ne vais pas détailler. Mais il y a véritablement des inconvénients, y compris d'ailleurs parce qu'on dépense plus d'énergie.
Donc, je crois qu'il faut faire attention à ces à la remédiation. Et je crois qu'une chose de bon sens, c'est dans notre région, par exemple, c'est de favoriser au maximum, par exemple, tout ce qui va influencer la conception de matériaux d'isolation. Si on isole les maisons, très clairement, si on a les bons matériaux, très très clairement, on va gagner. On va gagner sur ce problème du réchauffement climatique. La deuxième chose, et je crois que le département fait un effort très important là-dessus, c'est les transports en commun. C'est le problème des transports. Le transport demeure un vrai problème au niveau des émissions. Alors, comme dit Thierry, c'est très juste. La France, c'est 1% des émissions, c'est très peu, etc. Mais ne serait-ce qu'à titre d'exemple, et si tout le monde fait cet effort, ce sera payant. Voilà, c'était l'éclairage que je voulais donner. Mais de l'énergie hydroélectrique comme celle des barrages, mais est-ce qu'elle est polluante ou pas ? L'énergie hydroélectrique ? Alors, d'une manière générale, ce que je disais tout à l'heure, ça va dans le sens de ce que vient de dire Dominique Reynaud, toute activité humaine a une empreinte. Mais à construire un barrage, c'est du béton, la production du béton, il y a de la production, voilà, il y a des gaz à effet de serre qui sont associés à la production de béton. Mais quand même, globalement, la filière hydroélectrique, c'est certainement une des filières dont le rapport en termes de capacité de production d'énergie par rapport au gaz à effet de serre, disons l'impact environnemental, après il y a des impacts visuels, hein, on peut discuter de ça aussi, ou des impacts sur les populations qui habitent là où on fait les barrages. Mais globalement, c'est une filière qui est extrêmement performante dans la perspective de ce qu'on discute ici. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il se trouve que malheureusement, en France et en Europe, on a quasiment équipé tous les sites. On n'a plus beaucoup de marge de progression sur l'hydroélectrique. Bonjour. Il y avait une autre question. Oui. Bonjour. Donc, je travaille au département. Je ne vais pas poser une question qui concerne directement mon cœur de métier, donc qui concerne la forêt, mais je me rappelle de mes cours de climatologie de fac du début des années 2000, où notre professeur nous indiquait qu'il pouvait effectivement y avoir un impact du changement climatique sur les grands climats océaniques globaux. Et donc, je voulais savoir si... voilà, il y avait des travaux qui avaient avancé en la matière au niveau de la communauté scientifique et quelle était la position générale qui pourrait dominer en la matière. Alors, deux choses. D'une manière générale, ce que message que j'essayais de faire passer tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments sur le changement climatique et donc particulièrement sur le réchauffement climatique global sur lequel on est assez certain de ce qu'on annonce. Après, quand on s'intéresse à ce qu'on appelle les climats régionaux, hein, typiquement c'est le cas ici, c'est un sujet plus difficile. Mais par contre, il y a beaucoup de recherches de fait là-dessus. Donc voilà, on regarde dans les modèles, on arrive à voir si ce qu'on appelle les types de temps changent, la fréquence des types de temps. Et en particulier dans la région, on est à l'interface de plus de trois grands types de climat en fait. On a une influence de climat continental, on a une influence de climat méditerranéen, et puis on a effectivement les circulations océaniques. Donc c'est pas tant finalement le type de circulation océanique, savoir s'il va changer, c'est si c'est son domaine, voilà, quel va être son domaine d'influence et quelle va être sa fréquence. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles maintenant on commence à avoir des éléments quantifiés. On travaille, bon, par exemple, sur les derniers scénarios émis par le GIEC et on regarde dans les modèles si ces fréquences-là vont évoluer ou pas. Après, je ne peux pas vous donner déjà, je ne les ai pas comme ça en tête de manière quantifiée. Et en plus, après, il faut vraiment le regarder région par région. Mais c'est vraiment là-dessus aujourd'hui. Enfin, je dirais que la science du climat, à l'époque où Dominique était très actif sur le sujet, l'enjeu, c'était vraiment de développer des modélisations globales voilà, qui étaient pertinentes et fiables. Aujourd'hui, les enjeux de la communauté, ils sont clairement dans deux directions. Ils sont d'une part sur cette question des climats régionaux et ils sont d'autre part sur la vision globale, c'est-à-dire l'interaction du réchauffement climatique avec les autres facteurs environnementaux et avec les modes d'organisation sociale. Vous avez parlé de l'énergie hydroélectrique, mais en termes d'énergie renouvelable globalement dans le département, qu'est-ce qui est déjà mis en place et
qu'est-ce qui est prévu de mettre en place pour l'instant ? Ben sur les énergies renouvelables, il y a plusieurs domaines dans lesquels... Alors le département n'est pas forcément acteur directement. C'est quoi les énergies renouvelables ? Il y a le photovoltaïque. Donc ça, c'est les panneaux qui s'installent. Il y a l'éolien. Il y a l'hydroélectrique qui reste quand même... Enfin, ce qu'il faut quand même avoir comme notion, c'est que sur la production énergétique globale, que ce soit dans le département de l'Isère ou au niveau national... 60-70%, c'est le nucléaire. On est là. Ensuite, il y a 17% qui sont sur l'hydroélectrique. Non, c'est même plus le nucléaire. On est le nucléaire en France, on a 17% sur l'hydroélectrique. Le nucléaire fait la grande partie de la production et les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 2 à 3%. Le problème de l'énergie, et je rejoins ce qui est dit, hein, la meilleure économie, la meilleure façon de faire, c'est de ne pas consommer, parce qu'on a un problème avec l'électricité. Hein. C'est que l'électricité, vous ne pouvez pas la stocker. Aujourd'hui, on peut produire de l'électricité, mais il faut la consommer tout de suite. Il n'y a pas de possibilité de stockage, si ce n'est dans des batteries pour les voitures. D'où les techniques hydrogène et le département, là, pour le coup... Crée des territoires hydrogènes et on accompagne ces productions électriques à base d'hydrogène. Enfin, l'hydrogène permet par une réaction chimique de produire de l'électricité. Mais ça pose plusieurs questions. C'est le développement de ces technologies hydrogènes implique des zones de stockage qui sont aujourd'hui dangereuses. Donc c'est une technologie qui est compliquée à développer. Donc voilà, sur l'électricité, tout à l'heure, ce qui a été dit, hein, par exemple, l'Allemagne qui a décidé de sortir du nucléaire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rallumé les centrales thermiques. C'est-à-dire qu'ils brûlent du charbon. Donc en termes de CO2, c'est pas bon. Alors quand je dis ça, on parle du CO2. Après, le nucléaire n'a pas que des avantages. Hein, on l'a vu, il y a des risques, il y a des déchets, il y a plein de choses. Mais néanmoins, il ne produit pas de CO2. Donc on n'est pas dans le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, c'est ça la vraie question. Donc éolien, photovoltaïque, hydroélectrique. Mais aujourd'hui, l'hydroélectricité, on ne fera plus jamais de barrage en France. Enfin, il faut quand même avoir conscience de cela. Parce que faire un barrage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, eh ben ça, on détruit des vallées, on détruit... des sites, donc... Oui, après, je ne sais pas qui... Sur cette question en particulier, enfin non, c'était vraiment sur un petit département, si j'ai bien compris. Après d'une manière... derrière cette question, ce qui est aussi intéressant, c'est que... Bon, il y a le département initiative qui s'appelle Territoire Énergie Positive. Donc qui permet à chaque territoire de regarder un peu son bilan. Il se trouve que sur le Vercors, ils arrivent à être pratiquement territoire énergie positive. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez la chance, voilà, parce qu'il y a deux petites usines de production électrique, donc vous allez dire, mais moi je suis territoire énergie positive, donc je fais ce que je veux. Voilà. L'échelle à laquelle on regarde les problèmes, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale, elle doit prendre des décisions, elle peut oui, prendre des décisions sur son domaine d'influence, mais... C'est connecté à ce qui se fait ailleurs, d'accord ? Les politiques nationales, c'est-à-dire qu'un département, il est dépendant aussi de ce qu'est la politique nationale. Donc il y a vraiment des interactions. C'est très intéressant d'ailleurs, hein, dans le domaine des... Bon, là, on sort strictement du domaine de la science climatique, mais si vous regardez comment les débats autour du réchauffement climatique ont structuré, depuis quelques années, le dialogue politique international. L'accord de Paris, il a plein de défauts. OK ? Et d'ailleurs, quand il a été signé, il y a plein d'organisations, d'ONG et de scientifiques qui ont dit c'est très en deçà de ce qu'on voudrait faire. N'empêche que c'est le seul accord, le seul, qui a été signé par les 195 pays membres de l'ONU et qui a engagé une vraie dynamique derrière depuis 20 ans. D'accord ? Le seul. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est en profonde crise en ce qui concerne la gestion multilatérale des affaires mondiales.
Le seul domaine aujourd'hui où, avant que notre ami Donald arrive au pouvoir, il y avait un consensus assez bien établi, c'était celui du climat. Et c'est, il faut quand même que vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire, parce que comme je le disais tout à l'heure, personne dans cette salle n'a jamais vu ou senti une molécule de CO2. Et donc quand même les scientifiques, ils ont été capables d'aller convaincre les politiques en leur disant « Attention, là il y a un vrai sujet ». Les politiques les ont compris. Et au niveau international, ils se mettent régulièrement autour d'une table pour discuter des mesures à prendre. Alors on peut toujours dire que c'est insuffisant, etc. Hein, c'est bien entendu. Mais c'est remarquable. Et il se trouve qu'en 2009, il y a eu un... Bon, il y a des COP hein, tous les ans. En 2009, il y en avait une très importante qui se tenait à Copenhague, où il se trouve que moi j'étais. Et Copenhague a échoué, en particulier parce que un des grands sujets de la négociation climatique internationale, c'est droit et devoir différenciés. C'est-à-dire que c'est quand même un certain nombre de pays. Ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, tout le stock de ce qu'on a produit, ben, c'est pas tout le monde qui l'a produit. D'accord ? C'est certains pays en particulier. Et donc, il y a des pays qui n'ont rien demandé à personne et qui aujourd'hui disent, voilà, vous êtes au Niger. Vous avez, alors, c'est pas 1%, eux, hein, c'est 0,01%. Ils n'ont jamais rien produit. Et on leur dit, ben, aujourd'hui, il fait 44, mais là, pas de bol pour vous. Dans 20 ans, il va faire 50, donc terminé, vous ne pouvez plus vivre là. Bon. Donc, voilà. Ces pays-là, ils disent, ben, nous, il faut qu'on nous aide à nous adapter, parce qu'on n'y est pour rien. Et puis, vous avez les grands intermédiaires, comme la Chine et l'Inde, qui jouent le même jeu et qui, en même temps, sont devenus les plus gros émetteurs mondiaux. À Copenhague, ces pays, ils ont dit, nous, non, mais nous, on fait partie des pays sous-développés, on n'a pas de responsabilité dans ce qui se passe, et donc on va laisser les pays riches et développés faire leur affaire. 6 ans plus tard, vous arrivez à Paris. Donc ça, c'est une façon de dire, ça ne nous concerne pas, finalement. Quand vous arrivez à Paris, 6 ans plus tard, il n'y a pas un seul pays ici, il y en a quelques-uns, l'Arabie, enfin, oui, avec Venezuela, enfin, il y en a 4 ou 5, en gros, qui disaient, on vient quand même, mais en fait, ça ne nous concerne pas. Tous les autres, y compris l'Inde, hein, Modi, quand il arrive à la conférence, le premier jour, il fait une interview, il dit « Le climat, pour nous, c'est un sujet majeur ». Donc il y a eu une évolution dans la pensée, en fait, des grands dirigeants politiques, qui par ailleurs sont, ont des approches très différenciées des politiques publiques, de la place du libéralisme, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a eu une évolution de la pensée en 6 ans qui est absolument majeure. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils vous disent « Le climat ». On ne peut pas, nous, en tant que dirigeants politiques, on ne peut pas faire abstraction de ce qui est en train d'arriver à l'évolution du climat sur la planète. D'accord ? Après, ils se battent comme des chiffonniers pour savoir qui doit faire quoi. Ça, c'est autre chose. Mais rien que le fait qu'il y ait cette forme de consensus, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que ça crée une solidarité de facto. Les gens ont bien compris, les politiques, ils ont bien compris ce qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, j'avais une animation aussi, enfin, vous pouvez la télécharger sur le site de la NASA, qui est extrêmement intéressante, qui montre à l'échelle d'une année comment sont redistribués le CO2 dans l'atmosphère. Et c'est pas compliqué. Les endroits où c'est tout rouge et voire noir, au début, c'est chez nous. C'est-à-dire que c'est chez nous. C'est nous qui émettons encore. En tout cas, l'hémisphère nord, y compris la Chine. Et ce que vous voyez, bah, c'est que la dynamique de l'atmosphère, ce CO2, elle le répartit partout. En moins d'un an, tout CO2 que vous avez émis, il a été brassé, il est partout présent dans l'atmosphère, y compris en Antarctique. Donc, par essence, c'est un problème global, mais qui a des responsabilités localisées. Donc, cet aller-retour, enfin, le titre de cette demi-journée, qui est un peu du global au local, il vaut pour la question des émissions, il vaut pour la question de la physique, du système climatique, il vaut pour la question des organisations sociétales et des relations internationales. Juste pour compléter ce que je vous disais, mais très rapidement, sur les politiques départementales, les petites choses qu'on peut faire. Par exemple, ce matin, on était en commission permanente. On a voté des 200 dossiers d'aide aux particuliers qui font de l'isolation chez eux. On leur apporte des subventions pour qu'ils puissent isoler chez eux. On aide aussi à la méthanisation, c'est-à-dire que pour la récupération des déchets agricoles, de les méthaniser et de produire de l'électricité. Voilà, c'est toutes ces petites... Mais ce sont de petites choses, mais très, très concrètes. Pardon, j'ai pu récupérer le micro. Émilie Rousset, je travaille à la ville d'Échirolles. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur les effets que peut avoir le climat sur la qualité de l'air ? Bonne question, comme on dit. Alors, c'est lié.
Bon, encore une fois, je n'ai pas eu le temps. Hein. J'ai un schéma qui essaye de montrer un peu toutes les différentes composantes de ce que j'ai appelé la partie interne du climat de la planète. C'est lié au sens où, quand vous émettez du CO2, vous émettez autre chose que du CO2. Encore une fois, le CO2, il est assez neutre. Il ne dégrade pas, enfin, si vous ne dépassez pas certaines valeurs, il ne dégrade pas votre confort de vie. Par contre, vous émettez souvent aussi du dioxyde de soufre, où vous émettez des particules fines, etc. Donc, après, il y a une chimie atmosphérique, mais au premier ordre, c'est plutôt le fait que la plupart de nos activités industrielles ou des activités qui requièrent de l'énergie ou qui, voilà, vont émettre à la fois des gaz à effet de serre et à la fois des gaz qui ont ou des particules, hein, c'est beaucoup les particules fines qui sont quand même un sujet préoccupant aujourd'hui, qui vont en avoir un effet sur la santé humaine. Donc, en gros, si vous luttez contre l'un, au premier ordre, vous luttez contre l'autre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qui fait que les Chinois sont devenus des acteurs extrêmement proactifs dans les négociations climatiques internationales. Il y a deux choses qui font que les Chinois sont devenus très proactifs. Il y en a un qui est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en anglais « no blame, no shame ». C'est-à-dire que quand ils sont sortis de Copenhague, les États-Unis les ont bombardés en disant « tout ça, c'est de votre faute ». Vous êtes devenus des gros émetteurs et vous ne voulez pas prendre votre part de responsabilité. Et la Chine, à ce moment-là, elle a dit « il n'est plus question que jamais la Chine soit accusée au plan international pour bloquer un processus de concertation sur le sujet du climat ». Et ils l'ont dit pour des raisons de prestige géopolitique à l'évidence, mais ils l'ont dit aussi parce qu'au même moment en Chine, ils ont pris conscience à partir d'un mouvement de la société civile aussi, ce qui est quand même, bon, en Chine, hein, la société civile, son droit d'expression est assez limité, n'empêche que les rivières polluées, l'air irrespirable, vous savez qu'en 2008, quand même, pour les JO de Pékin, ils ont demandé à tout le monde d'arrêter les activités économiques pendant un mois pour que les gens, les athlètes, puissent voir un minimum le soleil et pas avoir des compétitions dans une ambiance complètement polluée. Donc les Chinois sont venus à la lutte contre, je dirais, le CO2 et le réchauffement climatique, sur deux mauvaises raisons, entre guillemets. Une qui est de prestige géopolitique et l'autre qui est de qualité de l'air. Parce que ce n'est pas directement lié. Sauf qu'en fait, oui, c'est lié. D'accord ? Alors là où ça devient plus compliqué, parce que ça, c'est le premier ordre. Au deuxième ordre, vous prenez les voitures. Il y a toute une polémique sur le diesel. Le diesel, pourquoi il a été beaucoup vendu ? Parce qu'on avait des filières technologiques qui, voilà, on était forts. Les Allemands et les Français, ils produisaient les... Donc il y avait un avantage comparatif économique immédiat à faire du diesel. Et déjà à l'époque, ce qui est assez curieux quand vous y pensez bien, parce que c'était bien avant que le changement climatique soit vraiment devenu un sujet très prégnant dans l'économie. Déjà à l'époque, mauvais prétexte, on disait le diesel, c'est mieux parce que ça produit moins de CO2. Ce qui est vrai, au kilomètre, ça produit moins de CO2. Sauf que quand même, tout le monde savait que le diesel, ça produisait des particules fines et du NO2. Quoi. D'accord ? Et donc, on a massivement, on a fait du diesel au prétexte que c'était meilleur pour le climat. Et en même temps, évidemment, les gens ils disent oh, « vous êtes bien sympa, mais vous me dites que le climat il va se réchauffer dans 50 ans, mais moi, aujourd'hui, tous mes gamins à Grenoble, ils ont de l'asthme parce que l'air, il est pollué ». Donc, quelque part, les sujets sont liés, parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'activité de l'homme a une empreinte sur la planète dans toutes ses composantes, et il faut avoir la vision globale. Après, si vous cherchez à décomposer les problèmes à la fois dans le temps et dans l'espace, vous pouvez avoir des choix à faire. Vous pouvez dire, ben non, attendez, aujourd'hui, quand même, voilà, si la moitié des enfants à Grenoble, ils ont de l'asthme, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Quitte à ce qu'éventuellement, dans toute chose constante égale par ailleurs, on produise un peu plus de CO2. Donc, ça marche ensemble, et dans certains cas, ben voilà, il peut y avoir des éléments contradictoires, et ça, ça fait partie de la gestion des politiques publiques. Parce que je crois que les collégiens ont vous avez un impératif, hein, de quelle heure ? Non, mais l'écart, vous devez repartir à quelle heure ? Parce que, bon... 4h30. Bon, alors, on va peut-être pas arrêter les questions parce que c'est dommage, mais oui. Questions courtes, réponses. Alors, il y avait, je crois. Toi, tu as parlé trois fois derrière. Oui, toi. Oui, ceux qui n'ont pas parlé. Là, et puis. Voilà. Là-bas, et on et va là. Dire. Voilà. Ouais, d'accord, ça marche. Ouais. Allez-y. Alors, on va en 3-4, on va arriver à gérer, je pense. Oui. Ouais, j'ai une petite, ouais.
Bonjour, Caroline Termoz-Liodi, je suis journaliste pour l'Essor. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure. Vous avez dit que si on comparait la météo de l'année dernière avec la météo de cette année, ça nous donnerait une image assez intéressante de ce que serait le climat en Isère en 2050. Vous avez des explications plus précises à nous donner sur ce qu'on imagine en Isère en 2050 ou c'est trop tôt ? Alors, surtout qu'il y a des choses que je ne devrais pas dire, mais si je veux pouvoir faire des réponses courtes. On pourrait, en gros, bon, je ne peux pas le décortiquer, hein, on est qui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit dans les projections du climat 2050-2100, c'est effectivement qu'on va avoir des automnes de plus en plus doux, l'arrivée du froid de plus en plus tard. Donc l'an dernier, ça a été totalement le cas. Cette année, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que si on faisait la conférence qu'on fait aujourd'hui, on l'a fait il y a un mois en arrière, ou six semaines en arrière, j'ai dit « Ah, qu'est-ce que vous me racontez ? On a plein de neige, c'est génial. » Bon, voilà. Là, vous êtes un mois plus tard, à 1500 mètres, elle a disparu, etc. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est deux bonnes illustrations, parce que c'est deux années qui sont très contrastées, mais si vous mélangez les deux, vous avez une bonne image de la manière dont le climat est en train d'évoluer. Mais c'est, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est une réalisation, donc il y en aura des tas d'autres, et elles sont toutes différentes. Le côté commun, en gros, dans les grandes tendances, c'est ce réchauffement dont j'ai parlé, et ce fait qu'il y a un décalage très important de l'arrivée dans le temps du froid et donc des précipitations neigeuses. Alors, il y avait une question là, il y en avait peut-être une autre derrière aussi, non, il me semble, mais on va donner, non, d'accord. Donc, vas-y. Ça veut dire quoi, ONG ? ONG, très bien. Organisation non gouvernementale. Donc voilà, c'est des organisations, c'est très vaste, voilà, indépendantes, qui ne dépendent pas de l'autorité politique. Il y en a qui s'occupent du respect des libertés, il y en a qui s'occupent d'environnement, enfin voilà. Tu dois certainement en connaître dans ton entourage, tu demanderas à tes parents, ils doivent sûrement connaître des ONG. Quels sont les dangers de mettre du CO2 dans le sol ? Dans les sols ? Le sol, c'est un très bon stockage pour le CO2, avec assez peu de danger. Bon, après, il y a des techniques, même pour l'enfouir dans des couches géologiques, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est, et en particulier dans les pratiques agricoles, hein, on considère qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui s'appelle 4 pour 1000. On montre que si on augmentait de 4 pour 1000 le CO2 qu'on stocke dans les sols avec des pratiques agricoles, on réduit d'environ 10%, enfin on stocke 10% des émissions actuelles de CO2. Donc voilà. Ce que j'évoquais très rapidement par contre tout à l'heure, c'est que le CO2 il est beaucoup capté par les océans, hein, quasiment à un tiers, presque 40%, et que par contre les océans, eux, ils ne sont pas capables de stocker du CO2 ad infinitum, enfin éternellement, et donc on pourrait avoir de mauvaises surprises si un jour les océans se mettaient à déstocker brutalement le CO2 qui est stocké depuis plusieurs dizaines d'années. Il me semble qu'il y avait pas toi derrière, non ? Il n'y a pas une question là-bas ? Non ? Donc il y en a une là. Hop. Et puis après, il y a... Mathieu Fourquet, je travaille au département aussi. Justement, sur cette question de CO2, vous avez commencé à en parler un peu. Est-ce qu'on est capable de le capter ? Est-ce qu'on a des technologies capables de le capter ? Et est-ce qu'on peut imaginer, je crois que vous parliez qu'on était entre 200 et 280 depuis PPM depuis X millions d'années, qu'on passe à 400. Est-ce qu'on peut imaginer que des technologies puissent refaire redescendre à des taux corrects ? Bon, alors ça, c'est une très grosse question. Hein. Il y a déjà des technologies de captation qui existent directement en sortie dans les usines de raffinerie ou dans la production sidérurgique. Donc on a des techniques de captage. Après, le problème, c'est de savoir ce qu'on en fait, hein, une fois qu'on l'a capté, justement, où on va le mettre. Parce que si vous l'injectez comme ça dans un réservoir poreux, c'est un gaz, il va repartir. Donc il y a cette difficulté-là. Je montrais tout à l'heure que quand même, c'est totalement irréaliste de penser aujourd'hui qu'on va rester dans l'enveloppe des 2 degrés, et que donc une solution envisageable pour y être malgré tout, ce serait d'avoir des émissions négatives, et donc les émissions négatives, c'est effectivement, ça nécessite d'avoir du stockage. Il va certainement y avoir des progrès, parce que je pense que voilà, technologiquement, on sait faire beaucoup de choses. En termes de politique publique, ce que je dirais, le danger serait qu'on se dise « Oh, mais de toute façon, l'homme est très malin, il a toujours trouvé des solutions à ses problèmes, et donc on va attendre que les ingénieurs nous fassent des techniques de captation de CO2 performantes,
Et puis, bon, en attendant, on va continuer à émettre gentiment. Donc, il faudra travailler sur les techniques de séquestration du carbone. Hein, on peut dire ça de façon très large, pas d'ailleurs que le CO2. Et tant mieux si on trouve des solutions qui ne soient pas trop coûteuses en énergie aussi. Hein, parce que quand on met des solutions techniques sur la table, souvent, il y a aussi des dépenses d'énergie derrière. Donc, il faut faire le bilan carbone intégré, tout ça. Donc, tant mieux s'il y en a. Et je pense que certainement, il y en aura. Enfin, bon, il y a aussi des projets qui sont un peu mégalomaniaques, on va dire. Mais en restant dans des choses relativement raisonnables, je pense qu'il y aura des choses. Mais ça ne doit surtout pas inciter à ne pas faire des efforts dès maintenant. Il y avait Jérôme Dutroncy. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme Dutroncy, vice-président environnement, air, climat de la métropole. D'abord souligner et me satisfaire moi aussi de l'organisation de cette journée. Merci Monsieur le Président pour l'invitation. C'est très très intéressant. J'ai manqué le début. Alors du coup ma question porte sur la deuxième partie de l'exposé. Et particulièrement, tu as évoqué Thierry tout à l'heure, sur la question notamment des hausses de température, la question indirectement de l'habitabilité des lieux. Par rapport à effectivement ces conditions climatiques, il y a la température, il y a les ressources, et dans les ressources, il y en a une moi que j'aimerais que nous pointions peut-être plus fortement collectivement sur nos territoires, c'est la question de l'eau potable. Je sais qu'on y travaille. Quel est l'impact que le changement climatique peut avoir sur la ressource eau potable, de manière générale? Et de manière locale, est-ce que tu évoquais la fonte des glaciers, est-ce que tout ça impacte aussi à notre niveau, sur notre bassin grenoblois notamment, la ressource en eau potable à l'avenir? Merci. Ouais. Donc, de manière générale, le cycle de l'eau, hein, donc ce qu'on appelle le cycle de l'eau, c'est le fait que voilà, on a des nuages, ça précipite. Ça tombe sur les sols, ça va dans les rivières, ça va dans le sol lui-même, ça recharge des nappes phréatiques, ça repart à l'océan. Donc, toute cette machine qui est le cycle de l'eau, ça fait intrinsèquement partie du climat, parce que d'abord c'est un vecteur de redistribution d'énergie à l'échelle globale. Et puis, bien entendu, localement, si vous changez le climat, certains paramètres du climat, vous concevez bien que si vous avez une atmosphère plus chaude ou plus humide ou plus sèche, ça va favoriser ou... prévenir les précipitations, ça peut changer le régime de précipitation. Puis une fois que cette eau est tombée sur Terre, bah, s'il fait plus chaud, ça peut évaporer plus. Donc quelque part, voilà, si on change la température et certains paramètres associés, ça va avoir un impact sur le cycle de l'eau. Donc ça, c'est visible à l'échelle globale. Nous, on travaille un petit peu là-dessus dans notre laboratoire. On parle de l'intensification du cycle hydrologique. Et en gros, ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de régions, déjà, il peut y avoir, alors la précipitation annuelle peut bouger, d'accord, mais surtout il va pleuvoir dans certaines régions moins souvent, mais quand il va pleuvoir plus fort. Et donc ça, si vous réfléchissez un peu, en fait ça a beaucoup de conséquences sur la ressource. Donc ma réponse, elle n'est pas spécifique de la région grenobloise, mais elle s'applique certainement aussi en partie. Donc ce qui va se passer, c'est que d'abord vous allez avoir des périodes de sécheresse plus longues, donc ça c'est pas bon, c'est plus difficile pour les plantes, etc. Quand il va pleuvoir, il pleut plus violemment, donc voilà, ça peut être des inondations, ça peut être des ruissellements qui vont avoir tendance peut-être à abîmer les sols, et ça va être une eau qui est moins facilement stockée localement par les précipitations, et donc une recharge des nappes, par exemple, qui peut être plus faible. Donc il y a tous ces éléments-là, et typiquement, ça va se décliner de manière très contrastée selon les régions du monde. D'accord ? Je dirais que dans la région grenobloise, typiquement, il y a deux éléments, enfin, dans le département, hein, parlons, parce que... Il y a deux éléments évidents. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est cette histoire de limite puits neige et de modification de l'enneigement pour les périodes d'hiver. C'est pas tout à fait négligeable quand même, parce que par exemple sur certains territoires, en particulier le Vercors qui est un territoire très karstique, le fait d'avoir de la neige au printemps qui est stockée tard,
ça permet de réguler le cycle hydrologique dans l'année. C'est-à-dire qu'au moment où il fait très chaud l'été, bah, c'est le moment où on peut avoir de l'eau disponible éventuellement pour irriguer des prairies ou des cultures. Et puis l'été, ce qui va se passer, bah, c'est qu'on va avoir des vagues de chaleur plus importantes, donc des évaporations plus fortes, donc des possibilités d'orages plus violents. D'accord ? Voilà. Alors, dans la liste que j'avais faite, hein, ressources en eau potable, enfin, j'avais fait mon petit tableau là, avec les sujets. Et évidemment, la disponibilité en eau potable, c'est un sujet important. Ceci dit, là aussi, je dirais que le climat, c'est un facteur parmi d'autres. Hein. Il y a aussi le fait de qu'est-ce qu'on consomme comme eau. Voilà, toujours pareil, hein, l'empreinte qu'on a et... essayer d'être un peu modéré dans notre empreinte sur la ressource en eau. Allez. Oui. Allez, posez, si vous voulez, posez tous les trois la question et comme ça, ça vous permet de répondre, de grouper. Alors, les trois dernières. Allez. C'est quoi le PPM ? Parfait. Deux. Et alors, la dernière. La troisième, non, c'est bon. C'est... Quel est le pays le plus touché par les inondations en ce moment ? En ce moment, aujourd'hui, demain, sur un mois. Non, mais en gros, parce qu'il y a des inondations, il y en a toujours eu. Hein. Faut pas non plus. C'est pas parce qu'il y a du réchauffement climatique que tout d'un coup, il y a des inondations. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Par contre, ce qui est vrai... Il y a deux types, on va dire, d'inondations. Il y a des inondations qui sont dues à la remontée du niveau des mers. J'évoquais tout à l'heure le cas de New York. Il y a beaucoup de grandes métropoles qui sont construites au bord des mers. D'accord ? Et d'une manière générale, d'ailleurs, on pense qu'à horizon 2050, on aura 70% de la population mondiale qui vivra à moins de 50 mètres au-dessus du niveau des mers. Donc voilà, ça donne une mesure de l'impact si le niveau des mers augmente. Donc là, notamment dans le delta du Gange, enfin en Asie du Sud-Est, un pays comme le Bangladesh est extrêmement touché par cette question de la remontée du niveau des mers, parce que voilà, l'eau remonte par l'aval. Et par ailleurs, si on accélère un peu ce qu'on appelle le cycle hydrologique, c'est-à-dire si on a des précipitations beaucoup plus fortes pendant les périodes de mousson, il va y avoir beaucoup plus d'eau qui va couler. Cette eau qui coule en plus grande masse, elle va arriver dans une mer qui a plutôt tendance à monter. Et donc la rencontre des deux, ça fait des inondations qui sont absolument gigantesques. Donc ça, c'est un type de situation qui va devenir plus fréquent avec le réchauffement climatique. Et sinon, il y a des inondations un peu plus classiques, comme celles qu'on a en ce moment un peu dans la région parisienne. Bon, voilà, on a des territoires, tous nos territoires, ici à Grenoble, hein, il y a un risque non négligeable sur le campus. On a fait des travaux sur les digues, mais il y a un risque non négligeable d'inondation du campus de Grenoble si jamais le niveau de l'Isère dépasse. Voilà. Et ça, c'est, je dirais, bon, on peut faire des travaux de prévention, on peut faire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, les catastrophes naturelles. Au sens le plus générique du terme, c'est pas l'homme est un peu prométhéen, mais il peut pas tout contrôler. Donc voilà, il y aura un jour à Paris, tout le monde le sait, qu'il y aura un jour une très grande inondation qui dépassera celle de 1910, hein, qui avait fait beaucoup de dommages, et il y aura certainement un jour à Grenoble, l'Isère passera au-dessus des digues qui l'ont, voilà, sur le campus de Grenoble. Bon, ça me fait sourire parce que dans une heure et demie, je pilote avec le préfet le comité de pilotage du SLGRI. Donc c'est le schéma qui gère le schéma d'inondabilité de la région urbaine grenobloise. Donc on va avoir justement... Mais vous voyez, c'est toutes des questions qui sont très, très intéressantes. Sur les digues, est-ce qu'il faut construire des digues? Est-ce qu'il ne faut pas construire des digues? C'est une question. Une fois qu'on a construit les digues, est-ce qu'il faut construire des habitations derrière les digues ou ne pas construire d'habitations derrière les digues? C'est une autre question. Et à chaque fois, on est confronté à des intérêts qui sont divergents. L'intérêt des élus, l'intérêt des populations, les gens veulent construire, il faut trouver du terrain constructible, il ne faut pas sacrifier des zones agricoles. En fait, vous comprenez, et moi je veux vraiment vous remercier pour cette vision objective et scientifique des choses, et que nous, politiques, nous sommes à la croisée des chemins, à la croisée de tout ça, et on doit prendre en décision
compte des facteurs qui sont bien, bien différents. Je redirai juste un mot sur la neige de culture, sans vouloir relancer le débat, parce que le département soutient le développement de la neige de culture, mais parallèlement, cette année, avec des scientifiques, avec des techniciens, avec des gens qui connaissent la montagne, on réfléchit à la station du futur et de se dire, dans 30 ou 50 ans, qu'est-ce que seront nos stations en Isère et comment pourra-t-on faire pour que l'on puisse continuer à apporter une vie économique, que des gens puissent continuer à travailler dans ces stations si demain, effectivement, parce que vous l'avez dit, c'est quelque chose d'inéluctable, si demain il n'y a plus de neige. Mais il n'empêche que là, tout de suite, aujourd'hui, il faut bien assurer cette transition. Il faut bien permettre à ceux qui sont aujourd'hui en station de continuer à vivre de leur travail. Donc c'est en fait, si vous voulez, la combinaison des deux choses, qui n'est pas facile, hein, qui est discutée, mais ça c'est le champ du politique, qui est discutée de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on arrête tout de suite et dans ce cadre-là, eh bien on sait qu'il y a des gens qui seront en difficulté tout de suite, ou est-ce qu'on trouve des solutions de transition qui permettront demain d'avoir des solutions pérennes pour le développement de ces zones de montagne, parce que ben, l'activité humaine et l'activité économique doit aussi se développer de partout. Enfin, ça, c'est un sentiment que nous portons, qui n'est peut-être pas partagé, mais voilà, l'homme doit vivre et travailler dans son habitat le plus proche. Parce que si on met des habitants loin de leur lieu de travail, on ne va pas améliorer le bilan carbone non plus de la planète. Voilà, écoutez, je vais laisser maintenant la parole à M. Arnaud de Furne, qui est le principal, qui est où Ah oui, on peut applaudir. Excusez-moi, oui, vous avez bien fait de lancer les applaudissements pour... Donc on vous laisse la parole pour... allez-y. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre invitation, Monsieur le Président. Merci pour la conférence, Thierry Lebel. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Le projet qui va vous être présenté par les élèves des établissements de Lédy à Roussillon, c'est là, de Raymond Guélen à Pontant-Royan, ils sont par là-bas, et des pierres plantes à Montalieu-Versieux, ils sont ici, c'est les miens que je reconnais, est né à l'initiative de l'association Les Amis de Circé, représentée ici par sa présidente, Jacqueline Charron, qui est cachée derrière le poteau, là, et l'Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire. Il n'aurait pu voir le jour sans le soutien actif du département de l'Isère, que je remercie ici chaleureusement. J'ai une petite pensée quand même pour Delphine, elle est là-bas. Ses objectifs étaient d'amener les jeunes à devenir acteurs de la transition écologique, économique et sociétale, de proposer un changement de système éducatif en vue de cette transition. Ainsi, nous nous sommes retrouvés, jeunes ambassadeurs et éducateurs de plusieurs pays, tous engagés localement dans les actions luttant contre les effets du changement climatique, réunis à la COP23 de Bonn. Véritable laboratoire d'idées, cette rencontre a permis de partager les expériences locales, et donc de les diffuser, d'appréhender la dimension mondiale de la problématique du changement climatique, de réfléchir ensemble, de faire des propositions concrètes, de mesurer l'importance de l'engagement citoyen localement et globalement. La conférence. Nous espérons ainsi, faisant l'autre l'interrogation de Pierre Rabhi, quels enfants laisserons-nous à notre planète, que chaque petite graine plantée sèmera pour élever les consciences, apprendre à faire ensemble, préparer un monde plus respectueux, un monde plus juste. Mais cet espoir ne pourra vivre que si tous ici, jeunes, éducateurs, scientifiques, je l'ai rajouté, élus, citoyens, prenons conscience d'avoir individuellement et collectivement le pouvoir de faire changer les choses. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais j'ai fait ma part. » Donc maintenant, vous allez pouvoir voir le film sur la COP23 et ensuite l'intervention de nos élèves. Merci. À ce rythme,
Nous serons 10 milliards en 2050. Il va être nécessaire de s'entendre pour vivre ensemble. En 1972, un consensus international lors d'un sommet à Stockholm donne naissance au programme des Nations Unies pour l'environnement. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. Please, make your actions reflect your words. Thank you. Depuis Rio, les signataires du traité se rencontrent chaque année pour les conférences des parties appelées COP. Ces négociations montrent la volonté de la scène internationale de trouver des solutions durables pour un monde changeant rapidement. Mais est-ce juste une parole en l'air? Pour nous, ni les accords politiques, ni les incitations financières, ni les solutions technologiques ne suffiront à répondre aux problèmes de notre siècle, et en particulier aux problèmes environnementaux. Pour la première fois, à la COP21 de Paris en 2015, l'éducation est entrée dans une conférence de l'ONU grâce à la société civile. 2 ans après, nous sommes à la COP23 au Forum des Jeunes, nous vous invitons à voir ce qui s'y passe. L'Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire, c'est un réseau international avec une quinzaine de pays, une centaine de signataires qui défendent des valeurs sur l'éducation à l'environnement et le développement durable pour les jeunes qui deviennent citoyens du monde. Le Forum des Jeunes, c'était l'occasion, l'opportunité d'amener ces jeunes ici à la COP23. Et hier, ils ont écrit un texte à remettre aujourd'hui, lors d'une table ronde, à des hommes politiques, à Jean Jouzel, qui est vice-président du GIEC. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky. Your favorite color. J'ai trouvé des réponses par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser, par rapport à qu'est-ce qui va se passer si on augmente de température. On a un peu mieux compris ce qui se passait dans les autres pays. Comment ils comptent réagir, c'est quoi leur problème à eux, et on voit maintenant que le changement climatique c'est un phénomène mondial. En plus d'apprendre moi-même, j'ai appris aux autres et c'est ça qui m'a le plus plu. Agir, nous les jeunes, c'est la terre à nous ici devant. Et si on ne travaille pas, on va sûrement la perdre. Nous devons avoir un comportement éco-citoyen. Que ce soit grand ou petit, nous devons nous rendre compte de l'empreinte que nous avons sur notre planète et essayer de travailler tous ensemble, main dans la main, pour lutter contre le réchauffement climatique. On espère que ça va changer des choses. Tout le monde s'y met, au bout d'un moment, ça donne des résultats. Continuer dans ce sens, parce que c'est de votre avenir qu'il s'agit. Il ne semble pas facile de conjuguer environnement et politique. Cependant, nous pensons qu'une éducation pour se changer, s'adapter et cohabiter est nécessaire afin de donner une direction positive au futur. Le monde est en train de changer, et qui serait mieux placé que les jeunes pour participer aux décisions mondiales sur leur avenir ? You. It's a beautiful life.
à ce rythme. Donc cette diapositive, bonjour à tous déjà. Ah, mince. Bonjour à tous. Donc cette diapositive présente l'ensemble des actions qu'on a effectuées au sein du collège. Et donc tout ce qui est en rouge, c'est les actions soutenues par le département en fait. Donc on va pas forcément tout pouvoir développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on répondra bien sûr à vos questions à la fin. Donc, bonjour à tous. Donc premièrement, nous faisons du tri et du recyclage de déchets comme le compostage, le papier et les piles. Grâce à des associations, nous avons pu créer des liens sociaux avec des partenaires locaux. Nous avons également fait des échanges avec des écoles et nous avons participé à des manifestations. Les principales actions faites dans le collège sont autour de la restauration. Donc nous avons l'appel écossaire, donc nous mangeons beaucoup plus bio et locaux. Nous avons une lutte contre le gaspillage, c'est pour les sixièmes, et un jardin pédagogique. Donc la dernière partie, c'est la réflexion sur le changement global. Donc on a fait un échange avec le Groenland, qui là va se terminer en mars avec la venue des Groenlandais. Ensuite, il y a bien sûr la participation à la COP23 qui a été bénéfique. Et après, on étudie beaucoup en cours de géographie et d'SVT. Bonjour à tous. Sur la diapositive, il y a la présentation du collège et ses actions du collège Pont-en-Royan. Et donc, on va présenter toutes les actions du collège. Donc, en printemps 2017, les 4e et les 3e ont effectué des études sur la consommation des lampes. Le débit de l'eau, les ordinateurs, c'est notre groupe qui avons fait ça, et la consommation du chauffage. Dans notre collège aussi, on a un compost, des ruches et un potager, et aussi un lombricomposteur. Donc pour la COP, on a créé un clip musical pour amener de la bonne ambiance envers tous les autres pays. Bonjour à tous. Alors, je viens du collège de Lady. C'est un collège qui est en attente de restructuration pour partir sur de nouvelles bases. On a créé un jardin pédagogique qui est conçu et géré par des élèves, enfin un petit groupe d'élèves avec un professeur. On travaille en collaboration avec la cantine scolaire. On va mettre en place un compostage et faire du tri sélectif. On a une semaine de l'engagement où il y a une création d'une campagne de sensibilisation. Il y aura plusieurs stands et des ateliers. Et il va y avoir une semaine bio à la cantine. Il y a une pesée quotidienne du pain à la cantine parce qu'on gaspille environ une tonne de pain par an. Donc pour sensibiliser les élèves. Et avec le pain, on réalisera une œuvre d'art. Avec Maëva.
Donc durant notre séjour à la COP23, nous avons pu rencontrer et échanger avec différents ambassadeurs de différents pays. Donc nous sommes tous arrivés avec des attentes et des motivations qui étaient assez semblables. Nous les avons mises en commun et nous sommes heureux de vous passer notre message aujourd'hui. Le premier jour, on a pu partager en fait nos projets, comme vous avez pu le voir juste dans les diapositives précédentes. Ah oui, merci. Ensuite, on a effectué des ateliers. On a créé des textes et des projets artistiques. Donc, vous avez pu apercevoir un bout du projet artistique dans la vidéo et tout à l'heure, on va vous lire les textes qu'on a écrits. Le premier jour où on était à Bonn, on a présenté ce qu'on avait fait dans notre collège et certains ont été choisis pour le présenter à la COP23. Dont vous ? Oui, dont nous. Juste avant de présenter nos projets à la COP23, nous avons pu assister à une table ronde, poser des questions à des chercheurs et à des politiques, puis leur lire nos textes que nous avions écrits la veille. Pendant la COP23, on a eu la chance de rencontrer plusieurs pays, dont les îles Fidji. On aurait voulu les interviewer, mais on n'a pas pu parce qu'ils avaient les secrets professionnels. Et voilà. Ça les a beaucoup impressionnés, ça. Et on a pu voir beaucoup de pays, dont beaucoup de cultures. Donc c'était assez impressionnant parce que tous les pays ont une culture différente. Et... on pourrait développer. Chaque pays participant à la COP23 avait un stand, donc on peut voir le stand de l'Indonésie. Donc nous avons réalisé des reportages parmi ces stands. Donc à la bonne zone, il y avait un espace qui s'appelait Talanoa, c'était un espace de dialogue pour échanger avec différentes personnes de différents pays sur l'environnement, sur tout ce qu'on avait à dire par rapport à notre pays. Donc là, vous pouvez voir, en fait, c'est des projets qui ont été donnés par différents pays pour en fait lutter contre l'émission de CO2, contre le réchauffement climatique. Pendant l'après-midi à la COP23, on a pu se balader et presque tout nous a plu, sauf qu'on a eu quelques obstacles, quelques manques d'interaction avec plusieurs pavillons importants de plusieurs pays. Pour le projet artistique, l'atelier artistique, on a créé une vidéo qui s'appelle Tempête d'espoir. On a tous, plusieurs ambassadeurs avons écrit plusieurs mots pour sensibiliser les gens à travers une vidéo. Les points positifs, c'est solidarité entre pays, cohésion dans le groupe des jeunes, nouvelle idée des projets à réaliser chez nous, partage de culture et décision officielle sur l'éducation au climat. Et donc là, il y a un enfant du Tchad, et il faut savoir qu'au Tchad, il y a une sélection pour aller à la COP23, qui est quand même compliquée, lui savoir parler à un public, etc. Ce Tchadien, il reste avec nous. Il portait. C'est comme s'il était avec nous. Oui.
Ils mettaient l'ambiance aussi. Et puis... puis voilà. Voilà nos partenaires. Et puis, Louis et Léa vont lire les textes. Nous, jeunes citoyens du monde, demandons votre attention. Aujourd'hui, nous nous mobilisons déjà dans nos établissements scolaires, nos associations et dans notre vie quotidienne pour le développement durable. En effet, nous faisons partie des clubs EDD et dans ce cadre, nous sensibilisons nos disciplines à l'amélioration écologique dans leur vie. Nous créons des composteurs, nous demandons à manger bio et local dans nos cantines. Nous faisons des études sur la qualité de notre environnement de travail pour ne donner que quelques exemples concrets. Néanmoins, nous savons que c'est peu et que ces actions ne sont pas suffisantes pour répondre aux enjeux climatiques. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Nous demandons aux décideurs qui sont ici à la COP des actions concrètes sur l'éducation, la facette économique, la justice climatique. Au niveau de l'éducation, il nous semble indispensable de non seulement sensibiliser notre génération, mais aussi les responsabiliser sur les conséquences de leurs actions, ainsi que leur procurer une éducation qui mène à une compréhension profonde du réchauffement climatique. Au niveau de la facette économique, nous vous demandons d'alléger les procédures administratives pour allouer des fonds suite aux catastrophes naturelles, d'augmenter dès maintenant les fonds pour accompagner les populations déjà touchées, notamment sur les zones inondées et les zones de sécheresse. Sur la justice climatique, nous souhaitons que chaque gouvernement donne dans son pays l'exemple dans son comportement et s'engage à créer un tribunal de justice climatique qui non seulement punirait les actions négatives, mais récompenserait les actions positives. Pour conclure, nous soulignerons que le changement climatique est une réalité, mais pas une fatalité. Nous vous incitons à gratifier, mettre en valeur et récompenser les actions positives pour donner de l'espoir à tous. L'éducation, une solution. Moi, membre de l'Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire, je suis là pour parler de notre avenir, le mien, celui de nos descendants et celui de tous ceux qui n'ont pas de voix. L'éducation au changement climatique responsabilise chaque jeune du monde. Cette éducation peut être formelle à l'école ou informelle au quotidien. Nous voulons prôner l'éducation du développement durable en instaurant des cours ludiques et éducatifs dès le plus jeune âge, 6 ou 7 ans, de manière internationale dans des programmes scolaires. Cette compétence obligatoire consistera en une formation et en une sensibilisation à l'éco-citoyenneté et à la protection de l'environnement. Cela permettra de prendre conscience de notre avenir et de l'impact de nos actes sur notre planète. Cela implique de former le corps enseignant afin de proposer une éducation de manière compétente et qualifiée. De plus, deux parties importantes de la vie des jeunes sont l'éducation informelle et les mouvements de jeunesse. Car comment nous convaincre qu'en nous formant ludiquement et entre nous ? Cependant, il existe trop peu de mouvements de jeunesse vraiment globaux axés sur le développement durable. Nous voulons un tel groupe. Un groupe apolitique global bien adapté aux réalités de chaque région. Il devra former les jeunes par des activités concrètes au développement durable et à l'éco-citoyenneté. Cela créerait une génération convaincue, formée aux gestes quotidiens à bas prix. Cette organisation devra être globale, supervisée par un organisme global en réponse à un problème global. En conclusion, il faut, par le biais de l'éducation, sensibiliser les jeunes au changement climatique et à ses conséquences mondiales pour les motiver, afin d'optimiser leur implication dans des projets durables en adéquation avec les réalités, leur culture et leurs valeurs. Ces programmes doivent être accessibles à toute personne, car les acteurs de la société et les responsables de l'avenir de notre planète, c'est nous. Au petit des montagnes, ça mange pas de pain, on fasse des chameaux.
peu cachée pour le stratosphère. Ratissons et plantons dans notre collège. Ratissons et touchons, tu vends toute une neige. Récoltez le miel, fais voir nos cervelles. Ravassez tes légumes et notre merveille. Les insectes, nous aussi, on les voit plus pareils. Agissons aujourd'hui, que tout le monde se réveille. Nous on vit bien, on n'est pas mal. Nous on n'est pas urbain, mais plutôt rural. Et pour protéger, sauver l'atmosphère. On trie les déchets, nous on est des terres. Alors ce monde, récoltons pour notre planète. Pas besoin d'être un héros, pour être écolo. Trions et compostons, ce combi de désastres. Pas besoin d'être un héros, pour être écolo. Bon, il faut, là, si on veut avoir le temps de leur payer quelque à boire, un coup à boire avant qu'ils partent, là, il faut quand même... Je vais aller super vite, mais ceci dit, je tenais véritablement à vous remercier pour le travail que vous avez effectué, pour votre engagement, parce qu'il est juste sincère et magnifique. Et je peux vous dire que je suis très, très fière, moi, de représenter le président et la vice-présidence dans mon mandat quand je vois toutes ces actions engagées. Donc, vous en avez parlé un petit peu. Le département est fortement engagé contre le gaspillage alimentaire, en tout cas dans nos restaurations scolaires. Donc, je vais vous poser une question. D'après vous, le repas du collégien pèse en moyenne 650 grammes avant la mise en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire par le département. Combien de grammes par repas finissait à la poubelle ? Alors, pour 54% d'entre vous, 150 grammes, pour 39% d'entre vous, 300 grammes, et pour 7% d'entre vous, 50 grammes. Alors, c'est bien 150 grammes en moyenne, soit quasiment un quart du repas des collégiens qui est gaspillé dans les cantines. Tout ça, bien sûr, avant la mise en place du gaspillage de lutte contre le gaspillage scolaire. Donc vous le savez, partant de ce constat, le département a mis en place, et en lien avec l'éducation nationale aussi, une vaste opération de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc dans les cantines, plusieurs actions ont été déployées, et on peut vraiment dire que ça marche grâce à l'implication de tous les collégiens et des agents départementaux, et cela a permis de diviser par deux le gaspillage alimentaire. Deux grandes lignes, hein, c'est nous de former en tout cas les agents pour distribuer la nourriture autrement et vous demander, vous solliciter si vous voulez des grosses parts et des petites parts. On est véritablement dans une notion de dialogue et d'échange. Et puis on souhaite sensibiliser les jeunes au travers de nombreuses actions pédagogiques qui visent à leur faire prendre conscience de ce qu'est le gaspillage alimentaire et de l'ampleur de celui-ci, de faire prendre conscience aussi de la qualité et de la valeur des aliments. On parlait du pain tout à l'heure, on voit qu'il y a une grosse partie du pain en effet qui est gaspillée et mis à la poubelle, et visant à les aider à mieux gérer les quantités de nourriture demandées ou achetées. Tout ça, vous l'avez compris, c'est pour le bien vivre et pour pouvoir générer quelques gains, mais qui nous permettent aussi davantage d'achats de produits locaux et ou bio.
Donc voilà, en fait, c'est un cercle vertueux et il n'y a pas que les collégiens de concernés, puisque nous sommes tous concernés par le gaspillage alimentaire. Mangeons mieux et bien. Allez, juste petit quelques mots de conclusion. D'abord pour vous dire qu'il ne s'agissait là bien sûr que d'une première, ce rendez-vous était une première étape, hein, puisque la mise en place du plan d'action sera l'occasion évidemment d'autres rendez-vous. Vous remercier tous les intervenants, Thierry Lebel naturellement, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis vous les collégiens, et au-delà des remerciements, surtout vous féliciter pour votre engagement citoyen et votre engagement de citoyen du monde que vous venez de nous démontrer au travers de vos témoignages. Vous avez été heureux, je pense, de faire cette expérience, de participer à la COP23. Sachez que le département, et je parle au nom du président et de tout le département, a été très très fier de pouvoir vous accompagner à l'occasion de cette COP23. Enfin, je dirais que vous pouvez revoir avec plaisir toute cette conférence sur le site du département isère.fr. Et à nouveau, un énorme merci. Merci à tous. On peut se retrouver salle Berlioz.